Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va? Oh mais c'est beau cet écran d'attente. Mais attends, tu parles de l'écran d'attente de Jean-Baptiste JB sur YouTube? Mais oui, mais bien sûr, c'est ça. Oui, il est incroyable. Je vous laisse encore un petit peu, il est incroyable. Les petites montagnes, les petits nuages, les petits bambous, le petit lac. C'est juste fantastique. C'est juste fantastique. Bonjour. Bonjour à toutes. Dommage, c'est pas un peu animé, genre. Ouais, il faut qu'on. Faudra qu'on travaille dessus sur l'animation, mais je crois que. Je sais pas s'il peut faire ça avec son logiciel de montage. En tout cas. Bonjour à toutes et à tous, hein. On est le dimanche 19 septembre 2021. C'est le seul jour de l'année qui porte ce nom, donc il est spécial. Il est spécial parce qu'on va faire du Mario Kart, comme hier. Voilà. Mais surtout, et il faut que l'on parle, Mathias. On est en lendemain de défaite. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'est terrible. Yo Gali, comment ça va? C'est terrible. Pourquoi? Comment? 2-1, on a perdu, c'est terrible. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots pour cette équipe. Mais en tout cas. Yo Antoine XXI, comment ça va? Et merci du follow, Antoine! Merci du follow! Tu vois la pelouse un peu? Ouais, j'ai vu, surtout en deuxième mi-temps, la pelouse, elle était éclatée. À chaque fois qu'il marchait, c'était le pâte au joueur, ça me fumait. Mais c'était terrible, hein. C'était terrible. À chaque fois qu'il marchait, il y avait des flaques d'eau. Quand il tirait dans le ballon il partait pas. C'était n'importe quoi. Oui, mais ça j'ai vu. Mais c'était quoi? C'était 90e minute plus 30 secondes, genre. C'était vraiment toute fin du match. Purée. Ouais, on vient de commencer le stream, Antoine. On vient de commencer. On va partir sur Mario Kart 8 dans quelques instants. Parle un petit peu de l'actu du foot là avant. Parce que je sais pas si tu as vu le match hier de Saint-Etienne contre Bordeaux. Mais Saint-Etienne s'est fait rétamer encore une fois. Et nous sommes dégoûtés. Et du coup, on est combien là? On est 20e. Enfin, on va être 20e au classement. Attendez. C'est pas possible. On peut pas être 20e. On va bientôt finir par y arriver, hein. On est 19. On est 19e. Après, on a le même nombre de points qu'eux. Ah non. Ah si, on a que 3 points. Oh, mais c'est terrible. Oh non, mais. Mais c'est n'importe quoi. Ah, je suis pas trop foot. Ouais. T'inquiète, t'inquiète pas. On va vite passer à Mario Kart là. Parce que là. Putain, non, mais c'est terrible, hein. Ah non, mais ça fout la mort, hein. Ah non, mais c'est terrible. Mais mec, on est 19e devant Metz. Mais comment c'est possible? Salut DT Plate, comment ça va? Comment c'est possible? J'en peux plus. Cette équipe. Bref, on va passer sur Mario Kart 8, mesdames et messieurs. Voilà, nous y sommes. Bon, là, on est dans la liste d'amis, mais. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas. Alors, attendez. Comment est-ce que. Où est mon code ami? Là, dans le profil. Tac, je vais vous mettre mon code ami. Ouais, tu peux jouer avec moi, ouais, bien sûr. Sans aucun souci, mec. Avec plaisir. Hop. Tiens, 2411. Normalement, je vous l'ai mis. Tac, ici, dans le chat. Et voilà, et puis si vous voulez rejoindre la partie, ben, c'est tout à fait possible, bien sûr, bien sûr. Hop, let's go, let's go. Par sur Mario Kart 8. Et puis c'est parti. Ok. Hop. Hop, on part sur un jeu en ligne. Si tu veux m'ajouter un ami, dis-moi, hein. Demande d'amis, ok. Je vais aller voir ça. Tac, tac, tac. Hop.
Hop. Oh, ça a l'air d'être toi, Antoine. Tu as l'air d'être Antoine. Oh, tu as joué à 785 heures à Pokémon, putain, tu es chaud. Hop. On va partir en mondial, bien sûr. On est à 2363 points. Est-ce qu'on n'essaierait pas de passer les 2500 là, aujourd'hui? Sachant que il faut absolument que je coupe le stream dernière heure à 13h. Hop, n'hésite pas à reprendre les petites voitures classico. Ok. On va quand même on va enlever la musique, mesdames et messieurs. Tac, ici. T'as jamais joué en ligne encore? Ah, et t'as bien tout ce qu'il faut? Parce que tu sais, il faut un abonnement pour jouer en ligne. Je sais pas si tu l'as. Ah, là on est en mode reporter. En plus, son premier tour sur 3. Bon, eh ben, on va attendre, hein. Hop. Ouais, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. Tranquille, alors. Tranquille, tranquille. Ah là là. Oh, ce dimanche. Oh, hier, les gars, du coup, hier, les gars, j'ai travaillé de 2h de l'après-midi jusqu'à minuit. Donc, on va tirer un petit 10h. Voilà, un petit 10h le samedi soir, tranquillement. Et j'ai fait 15 km parce que du coup je suis un peu genre je suis un peu du service à table, tu vois, je suis un peu un petit serveur au bar, tac tac, je manie les trucs. D'ailleurs, j'ai fait tomber un plateau. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Je voulais juste disparaître. Mec, je suis arrivé, je le pose, le truc je le pose normal et je mets un coup de genou dedans en me relevant. Ça tombe, je suis au bout de ma vie, putain. On a passé un rouleau de topalin entier pour tout enlever, c'était l'enfer. Mais du coup, ouais, j'ai fait 15 km. Un peu plus de 15 km. Oh, c'était. Oh, j'ai mal aux jambes. La vie, j'ai mal aux jambes. C'est incroyable. Incroyable. Mais on a eu un de ces mondes aussi. C'est un truc de fou. On était blindax. Tout ça pour que. Le mec. Tu sais, il y avait le match. Du coup, on a mis match Lance-Lille d'abord. Lance-Lille. Je crois que c'est Lance qui a gagné d'ailleurs. Et après, on veut mettre le match de Saint-Et. Et là, je vois quoi? Je vois, oui, il y a la pluie. La pluie qui est tombée comme jamais. Et les télés, elles marchaient plus. Genre, on a une panne de télé. Pile quand le match, il devait commencer. Du coup, le mec, il faisait que râler. C'était un enfer. Et on a réussi finalement à remettre sur trois télés. Et il y en a une qui avait des couleurs bizarres. La saturation, elle était au max. Et c'était l'enfer. Audrey, mon stade de 25 000 pas aussi. Mollet blindé. Ah ouais. Ouais, mais oui, ça fait les mollets, hein. Du coup, je rejoins depuis le menu ami via ton pseudo, c'est comme ça. Ouais, je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Et normalement, soit tu tombes dans ma game, soit si c'est plein, tu tomberas dès qu'il y a quelqu'un qui va partir. Et voilà en gros. Voilà en gros, Antoine. Normalement. Oh, qui es-tu, Antoine? Si tu veux marquer un petit message ou. Je sais pas quoi, moi je mets un petit salut. Voilà, histoire de dire que c'est moi. Est-ce que tu es dans la room? Ah putain, il faut choisir sa map, c'est vrai, c'est le principe du jeu. Petite route ruban pour commencer. Petite route ruban. Let's go. Hop. Ça fait plaisir, hein. En vrai, Mario Kart, c'est un jeu que je kiffe. Pas encore trop de monde. Ah ok, dommage. Dommage, tu vas pouvoir constater mon level. T'es chaud toi Antoine ou pas? Parce que moi je suis à chier, hein. Enfin, je suis à chier. Non, non, en vrai, je me débrouille. Faut pas que je me vende mal, je me débrouille. Mais en soi, en vrai, ouais, si. Je suis qu'à 2300 points, je crois. 2363. Mais en vrai, ça va. C'est dit quoi ce matin? Bah, ça va et toi, Martin? Ça va tranquille ce matin? On doit être sur le dernier live avant de pouvoir être affilié. Puisqu'il me manque 0,1 point pour passer affilié. Du coup, ce matin, c'est incroyable. C'est un live Mario Kart tout à fait exceptionnel. On va pas live trop longtemps, hein. Après, il y a le travail qui nous attend. Let's go. On a plus de pièces. Ça passe? Oh, ça passe. Oh, le dérapage du futur que je viens de faire, hein.
que clapement se vont faire. Je crois que en plus celui qui est premier, il a un badge spécial. Et ah oui, et aussi du coup hier on a débloqué le badge VIP, du coup le programme partenaire VIP, du coup c'est à dire que je peux mettre 10 personnes VIP là. Sachant que quand tu es modérateur, tu peux pas être VIP. Ah bâtard, je voulais mettre mon klaxon, ça a pas marché. Ça va, j'ai dans la haute moyenne. Ah bah ça va alors, tranquille. Ça a marché ou pas mon klaxon? Non, ça touchait personne, hein, d'accord. Ah non, il se l'est pris. Du coup voilà, on a débloqué le petit VIP, tranquille. Tu voudrais que je te mettrais VIP, Mathias? Au moins t'auras le badge VIP, premier sub. Et sub. Mathias sera tout actuellement. Oh, on l'a eu. Prends-toi ma carapace, Zubi. Ah, je vais prendre le raccourci, ça n'a pas du tout marché. Let's go. Attendez. Oh, ça se prend pas la carapace, c'est terrible. Ça va frérot. Je crois qu'il s'est pris ma carapace mais c'était pas voulu. Let's go. Aïe aïe aïe. C'est parti. Petit bruit de moteur là, le petit V12. Oh non, juste que je pouvais pas tuer la petite marionnette là. C'est terrible. Oh, j'ai pas pu prendre le double D. Oh, je suis dixième par contre, attends, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais j'ai l'impression que les mecs, même si j'ai une étoile, ils vont plus vite que moi. Oh, j'ai pas eu de dé en plus, je vais pas pouvoir cut. Je suis une merde. Lui va nous... 100% je me prends la rouge. Oh, je me suis pas pris la rouge. Oh, la 8ème place qui est grattée ici. La 8ème place qui est grattée, mesdames et messieurs. On gagne quelques points. On gagne quelques points. C'est pas fou. Et pas fou, pas fou les points qui sont gagnés ici. Et du coup, ouais, du coup, je regardais ce soir, il y a Lyon, Lyon-Paris, c'est ça? Paris-Lyon et Marseille-Rennes. Oh, en vrai, il y a une bonne journée aujourd'hui. Hein. En vrai, de vrai, il y a une bonne journée aujourd'hui. Bon, ça, je peux les 10 pièces aussi. Ouais, c'est vrai, putain. En fait, dès que j'ai mes 10 pièces, je pense que je peux plus les perdre. Mais à chaque fois, je me fais bolos et du coup, bah, je les perds. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh oui. Let's go. Je suis là, le bleu avec les lunettes. Ta-ta-ta. Antoine, mais oui, il est là, Antoine. Regardez-le. Les deux joueurs qui représentent la France sur ce terrain, sur ce circuit de que je ne connais pas, sur circuit Mario aussi, je connais. Let's go, Antoine. Et t'es quel skin? De toute façon, je vais le voir, je pense. On a déjà 6 pièces, hein, c'est vraiment exceptionnel. Mais je crois qu'on on spawn déjà avec des pièces, non? Ah, j'ai pas eu de dé, je crois. Ça m'empêche pas d'être premier ici. Véritable plaisir. On va pouvoir choper peut-être 2 pièces. Let's go, baby. On est pas mal, hein. Ah, je suis dans le vide. Mais s'il vous plaît, j'ai une banane au cul et... Je passe à travers la banane. Attendez, mais c'est quoi ça? Quel est ce début de course fantastique? Oh putain, du coup j'ai plus que 3 pièces. Oh la dégoûtance. Oh c'est terrible. J'ai plus de pièces. C'est pour ça là, je pense pas à en reprendre. Voilà, surtout que je peux pas en reprendre puisqu'il me les prend toutes le mec devant. Véritable plaisir encore une fois. Y'a pas moyen de faire un maxi cut là? Non, je crois pas. Hein. Ils auraient tout pensé, tout prévu. Par contre, celui-ci il est beau. Lui aussi il est beau ou pas? Ah, pas terrible. Oh là là, ce sniper! Incroyable. Hop, et toi aussi je te snipe. Regardez, elle va arriver. Allez hop! Quoi? Mais il a rien eu! Quelle est cette personne? C'est terrible, il a rien eu du tout, je suis deg.
Reviens là. Oh non, dans le sable. Faut que je pense à regarder derrière pour le klaxon. Ok, ça n'a servi à rien. Hop là, deux petites pièces. Mais arrêtez de me donner des klaxons, ça suffira. Toi, tu dégages. Cinquième. Cinquième. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Oh, Antoine qui est juste devant. Ah, mais c'est toi, Antoine, le squelette. Ah, mais je défocus. Antoine, je lui ai envoyé des petits coups de coquille. Quelques instants. Terrible. Ah, c'est terrible. Oh, l'enfer. Ok. Minowario ici, hein, qui va partir. Ok. On a les trucs glouglou là. Non, glagla, les stations glagla. Truc glouglou, mais putain, mais je suis terrible. Ok. On est que 3 à avoir choisi Minowario. Un véritable plaisir. Hein. Il fait pas très beau aujourd'hui. La triple rouge sur la dernière bonus, ça la met bien. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est tout à fait. Remettons ça. Bah, let's go. Juste qu'on choisisse les circuits. Et tu me fumes les petits messages. Oh non, je pouvais en mettre, mais ça a disparu. Ok. 3, 2, 1. Let's go. Oh bah yes. En vrai ça va, j'aime bien ce truc. J'aime bien ce petit tour de circuit quoi, cette petite piste. Ah t'as 1000 points. Ah oui, c'est pour ça, c'est d'être les premières fois que tu fais du en ligne, ouais je comprends. Ok, let's go. Mais on voulait tous la mine, putain. On a de la méta Waluigi avec la chenille là. C'est plaisir hein. Oh, j'ai pas pu prendre les 2D. Okay. Oh, les 3 vertes. Oh, ça snipe. Ah, mais j'ai déjà perdu toutes les vertes. Hein. J'en ai tiré qu'une. Je pensais que j'aurais pu taper un drift violet. Ah, bah, il reste pas. Oh, ça bouffe. Oh, ça bouffe des gens ici. Et bien là. Pas mal là ce qu'on a produit sur le premier tour. Oh, triple D. Ok, on a nos 10 pièces déjà. Attendez quoi? Il a capté ma rouge? Attends mais... Oh non, je voulais prendre le double D, je suis terrible. Attends mais... Il avait une banane, je lui envoie une rouge, il a une rouge au cul, bah yes. Putain, non, pas l'herbe. Voilà, Waluigi il est chaud hein, devant. Hein. De toute façon, ça... Oh, j'ai bien fait de l'envoyer en vrai. Ok, on a Renault 10 pièces. Oh, un bâtard. Let's go. Oh, ils ont pas pris les dés. Oh, ce contre. J'ai cru que j'allais me la prendre. Bon, de toute façon, ça fait rien, je crois. Let's go. Let's go, les gars. La troisième place ici, mesdames et messieurs. On fire, hein. On fire. Oh, oh, peut-être presque les 2400 points. On est à 4 points des 2400. C'est tout à fait incroyable. Pas mal du tout, en fait. Je prends une verte sur la ligne. Oh, c'est terrible. Et tu finis combien? J'ai même pas vu. Je crois que t'es juste derrière moi, non? Ah non. J'ai pas vu combien t'as fini. Ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait le truc là. Non, parce que je crois qu'il y a un autre Skelerex dans la game, c'est pour ça. Hmm.
Oh non, c'est terrible, j'étais 6ème, j'ai fini 10. Oh non, ça fait mal. T'inquiète pas, c'est ta map celle-là. Je sais pas sur laquelle on va tomber, mais c'est ta map, frérot. Oui. Non, mais non, mais frérot. Il y a 5 stations Glagla, comment tu peux tomber sur le volcan grondant? C'est l'opposé, putain. C'est terrible. Oh non, pas celle-là, mais celle-là c'est la map à personne. Oh, c'est un enfer cette map. Oh, ce départ de chiottes que j'ai fait en plus. Ah, ici par contre, pour avoir les pièces, ça va être tendu, hein. Essayer de les choper. Oh! Mets le feu ici aussi! Réfléchissez! Passe. Passe. Ok, un petit champ pipi. Y'a pas d'endroit pour cut, hein, je crois, ici. Hein. Il me semble que c'est tendu. Okay, on peut choper la pièce. On avance tout à l'heure tranquillement avec nos petites pièces. On n'a que 3, hein, mais c'est déjà ça. On va essayer de choper celle-là. De toute façon, là, les tours sont si longs que si on est 6-7ème maintenant, ça veut rien dire. Et la collecte des pièces qui est très lente. Pas mal là ce qu'on a fait. On a bien remonté, j'ai l'impression. Wow. Ah, c'est lui? Attendez, mais quoi? On a nos 10 pièces, on est premier. On est pas mal. On est pas mal, mesdames et messieurs, là. Let's go. Ah oui, c'est pas là où la map elle se défait des fois? Attends. Ah non, c'est là où il y a les lasers et tout, c'est vrai. Le protect, on est pas mal. Ah, ça a pas marché. Let's go. On est bien ici, hein. Counter la première. Ah, on se fait voler notre deuxième. Ah, on va certainement se prendre une autre rouge. Ok. Franchement, la game est pas mal. Par contre, je comprends pas le but de nous donner ça. Mais voilà, ça me fait exploser. C'est-à-dire que ça... attendez, c'est moi, il y a eu 3 rouges là. 4 rouges? Attendez, mais quoi? On vient... Mais quoi? Mais on vient... Mais... Quoi? On s'est pris 4 rouges. What the fuck? Attendez, mais il s'est passé quoi là? C'est honteux! Mais oui, c'est honteux! Mais what the fuck? Mais wesh! Oh la honte! Premier, on se prend quoi? On se prend 4 rouges et une coquille bleue. C'est l'enfer. C'est un enfer terrible. Oh non, j'ai même pas vu combien j'ai fait du coup. J'ai même pas vu combien de points j'ai gagné ou quoi. Oh non, c'est terrible. Le tour, il était parfait. Oh, je suis dégoûté. C'est tout à fait terrible. On a les mêmes réactions. Putain, ça me fume. J'ai eu 3 bananes autour de moi. Je prends une rouge quand même juste avant. Ah ouais, mais c'est terrible. Mais c'est terrible, hein. Pff, oh là là. Allez, les joueurs font leur propal. On est à quoi? On est à Circuit Mario. Circuit Mario. Après, on vient de le faire. Donc en vrai, c'est pas ouf. J'aurais dû prendre un autre truc. On va le faire. Oh non, mais c'est terrible là, qu'est-ce qu'on s'est pris, qu'est-ce qu'on s'est mangé? Quand il a eu 4 rouges? Déjà, on en prend une avec la bombe. Il y en a 2 qui sont cancel et on s'en prend une troisième. Et après, on se prend une bleue. Putain, c'est terrible. T'as pris plus cher qu'un poulet devant KFC, mais mec, c'est terrible.
Là, j'avais l'impression d'être un poulet là pour le moment. Là, mon ressenti de la game, c'est être un poulet. C'est foutu. Alors, regarde ça, en plus, ce départ, on prend 3 places directement. 4 places. On prend pas mal de. Mais bouge ta race! Putain, mais. Qui es-tu? Voilà. Ah non, mais moi, je vais dans le. Dans le sable. Hop, hop, hop. Et voilà, 10 pièces. Oh non, mais ce bâtard, il a pris. Putain, mais t'avais doté. Pourquoi tu as pris celui que je fais? Non, mais en plus il se prend le truc alors qu'il n'y a rien. Let's go. Des deuxièmes. On est pas mal là, on est pas mal. Il y a un peu de vent en plus. C'est un combat entre nous deux. À part si je me prends le rouge. Ah non, c'est pas moi qui ai pris le rouge. Attends, mais frérot, tu t'es pris quand même. Je me disais, le mec il s'est quand même pris une coquille, il avance aussi vite que moi. J'étais là bon. Ça va suffire, oui. Je pense que ça c'est quand t'es en ligne, il y en a qui doivent bugger, le ping il doit pas être le même. Oh désolé les colombes. Oh y'a un petit dé là en fait à droite, j'avais jamais remarqué. J'avais jamais remarqué. Let's go. On a de l'avance hein. Ah. Pas sûr qu'il soit très heureux d'avoir ma. Pour une banane. Oh, il y a une petite bleue là. J'ai pensé pour la cancel, mais non, en fait, je vais rien. Aucune vitesse. Oh, on l'a eu. On l'a eu, je crois. Comment ça, je suis deuxième? Quoi? Oh non, mais il est passé. Quel bâtard, mais il est trop fort lui. Déjà dans la cape il y a 4 Waluigi, t'es là bon yes. Oh mais comment il m'a dépassé, c'est honteux. Ok, 2422. T'es beau wesh. Yes, merci JB, ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour s'il te plaît. Me parle pas sur ce ton. Oh là là. Allez go. Autour de Toad, Château Bowser, autour de Toad c'est la pire map donc on s'en fout. On part sur le désert. Oh mais tout le monde veut le désert sec sec là, le désert tout sec. Quatrième on se tient sur cette map. Ouais bah de toute façon la map elle est beaucoup plus courte que le truc qu'on a fait avant là, le Château de Bowser. Du coup en vrai même si tu prends une bleue t'es fini. En vrai c'est une map où t'es serré hein. La 3 et la 9ème place tu vois y'a quasi aucune diff. Le JB là. Quelque le bestio. Quelque le JB. Quelque le. Qu'il est beau. Ouais, c'est bon, c'est désert tout sec. Oui, voilà. En sans cesser par contre, c'est l'enfer. On va mettre 1h30 à faire la map. Hein. 1h30. Ok. Netty part. Pas mal le dé. Oh le départ on prend du temps hein. Oh faudrait qu'on. Oh j'ai pas réussi à choper les. Ça passe. Ça ne passe pas du tout. Pièce ici. Oh ça fait plaisir. Ça fait plaisir là ce qu'on a mis. Ah j'ai pas réussi à choper toutes les pièces. Allez allez à nous. Parfait, parfait. On a ça d'avoir toutes les pièces, hein.
terrible. Oh, il y en a, il est tellement loin. Tant on est serré de ouf, hein. Et ça, elle me fume la musique quand on est tout petit. Ok, on est à 6. Il faudrait qu'on réussisse à choper les 4 pièces. Let's go. Ok, on est pas mal. J'ai envie de te dire, freine-nous encore plus. Oh, le feu! Oh, ah oui, ah oui. Ah, on va pas très vite, hein. Ah, on va pas très vite. On s'est fait dépasser comme Jaja. Oh là là. Je suis navré, hein. Pas mal. Enfin, un bon circuit, hein. Franchement. GG. Y'a du monde derrière. C'est pour moi la rouge? C'est moi ou je suis passé. Elle est passée sous moi la rouge. Ça va rien dire, hein. Ah, tous ceux qui vont cut. Ah ouais, c'était sûr, hein. Vas-y. Et prends-toi ma. Mais comment? Oh, deuxième. On fait deuxième. Putain. Oh, on fait deuxième. Attends, mais elle est pas passée devant nous. C'est terrible ce qui se passe. Ah non, elle est pas passée devant nous. Je croyais qu'elle était passée devant moi. Attends, mais quoi? C'est devant nous. Ok, bah merci. Putain, tu vois, depuis 3-4 games, ouais, on a un petit niveau. Franchement, on a un petit niveau. Je vais candidater pour les World Cup de Mario Kart. Petit niveau ici. Plaine de Neut, Aéroport Azur, Manor Temple Plaine de Neut, on a déjà fait. J'ai fait que de Toulon, j'ai fini 9ème, ce jeu de l'enfer. Putain, c'est terrible. C'est terrible, Antoine. Oh non, c'est un enfer. Cet après-midi, on bosse sur tes points de chaîne. Alors non, cet après-midi, je bosse tout court. Je bosse tout court. Je suis au travail de 2h à 19h. Donc voilà, un véritable plaisir. De toute façon là je vais passer sur un autre temps de travail, là j'étais en 20h, je vais passer en 15 je pense pour le mois prochain parce que c'est énorme. Archouma il bosse le dimanche, c'est vrai. C'est vrai, et comme c'est considéré comme un restaurant boîte de nuit, on est pas payé double. Donc on peut un peu le savoir, un peu le savoir. Ça va en vrai, c'est cool, on s'amuse bien, il y a de l'ambiance. Là en plus il fait un temps de merde, c'est à dire que si on est dehors on va se cailler. Et si on n'est pas dehors et qu'ils sont fermés dehors du coup, comme ça a été tout mouillé hier, comme s'il a plu, et ben on sera 10 000 à l'intérieur quoi, donc on n'aura rien à faire. Je fais qu'une salle, ouais bah écoute, voilà quoi. En quoi c'est 5 heures de taf, en vrai c'est rien là aujourd'hui. C'est hier, j'ai eu 10 heures, ça fait mal hein. Ça fait mal, ça fait mal. Allez, les 2D, le mec devant là, va falloir faire attention. Qui verte. Ah, je pensais l'avoir eu, tu vois. Je sais pas du tout, moi je suis payé pour aller en cours, mais je suis. Enfin. Tu me donneras ton tuyau, s'il te plaît. Je me suis bricolé. Attendez, what the fuck? J'ai même pas vu ce que je me suis pris. Que je... Oh non, je touche pas du tout. Mais c'est pas lui que je... Oh là là. Pardon. Oh, j'ai décalé Bowser la première fois de ma vie que je le décale. Que je... Ça touche. Oh, il avait ce qu'il est. Il avait ce qu'il est. Bah, attendez, mais s'il vous plaît, j'ai cherché à avoir une protection avec mes carapaces là-haut. Putain, désolé, tu prends cher pour tout le monde. Ouais, non, mais c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ça là? Mal payé. Allez, éclatez. Oh bah alors toi c'est mérité. Je suis désolé. C'était mérité. Attends, mais ils sont si loin les mecs devant.
Mais mec, ton canon il t'amène où? Le mec il fait une game canon, un véritable plaisir, il amène 3ème son canon. Attendez, mais c'est. Mais what the fuck? Mais il se passe quoi ici? Oh non. Mais attendez, mais. C'est canon de life ici, c'est comment? Oh vas-y, donne-moi ton inspi, donne-moi ton inspi. Voilà! Je le dépasse, je suis plus rapide! Sur la ligne, 4ème. L'alternance ça paye, ouais bah ouais. Putain. Non mais cette game était terrible. Moi j'en peux plus. Ok, un petit plus 15, on passe à 2450. Mais quand je choisis une map, on tombe pas dessus, mais avec 9 personnes qui choisissent. Ouais, c'est. C'est vrai. Sinon, deuxième. Mais mec, mais t'es trop chaud. T'es trop chaud en fait. Ça va, t'es pas loin du podium. Ouais. Là, on a fait une game bizarre. Hein. Bon, il y a eu 4-5 canons qui sont arrivés en 3ème position. Ça fait plaisir. Hein. Arène d'exit break. Les canons. Mais mec, je crois que les canons dans le jeu. Parce qu'en gros, tu prends ton canon. Tu remontes à la 9ème, 10ème place. Et tu finis 3ème. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Voilà ce qu'il faut faire dans le jeu. La méta est toujours être en Waluigi avec la voiture, la moto de la chenille là, je sais pas comment elle s'appelle. C'est la méta Mario Kart, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est comme ça. Ok, 2458. Et pas mal. Ok. C'est une map, on tourne en rond. Let's go, mais mais regardez les départs que je fais. Oh, les départs sont monstrueux. Par contre ici pour choper les pièces ça va être tendu hein. Est-ce que ça passe ici ou pas? Je suis deck que c'est pas passé la deuxième. Oui. La force Yoshi Yoshi. Un double. Est-ce que je le snipe? Pas du tout. J'ai pas du tout snipé. Ok, let's go. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a reculé le man? Le mec, on est. C'est quoi, c'est le troisième tour? Ah non, c'est le deuxième tour. Putain, j'ai un verre juste devant l'affichage des tours. On va garder ça. Hein. Ça passe. Il est chaud. Est-ce que ça peut cancel? Je crois que ça peut cancel une bleue, ça. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que le klaxon il peut cancel une bleue. Mais par contre, s'il te plaît, évite de nous rattraper. Oh là, alors là, je suis désolé, mais tu dégages. Let's go, baby! Tu as vu un lambda et que tu passes par là pour la première fois. Pour la première fois, follow la chaîne où je te bute. Ouais, c'est un véritable plaisir. C'est un véritable plaisir de passer sur ce stream. GG, ouais, on peut dire GG ouais, pour cette game masterclass. Hein. 2483 points, on est à. Si mes calculs sont bons, 13 points. Non? Non? Je sais pas. Peut-être 13 points de la map. Des 2500, je sais plus. Oui, si je crois. Minorario, est-ce qu'on l'a fait? Non, on l'a pas fait. Pourtant, c'est la meilleure map. Bizarre. Bizarre. Ok, hop. Bizarre. Pas compris comment j'ai pu finir 11ème, j'ai pas fait d'erreur. Ah ouais? Mais de toute façon, cette map, c'est terrible. Hein. Cette map, si tu pars dans les derniers, de toute façon, t'arriveras forcément dans les derniers. Je comprends pas comment tu peux faire hein, sinon. En vrai, cette map. Elle est tendue. Hein. Franchement,
Frenchman, hein. Je te le dis, Frenchman. Elle est en jeu. Ok. Ouais, c'est ça, on est à 17, 17 points de. Des 2500. Let's go. En plus, c'est la Minowario, c'est ma map. C'est une map que je kiffe. Allez, let's go. Le départ parfait, encore une fois, peut-être? Mais ce départ? Je sais pas s'il est ouf. Oh non, bah non, on s'est dépassé comme Jaja, donc. On reprend notre place de champion. Flippé toi. Ok. Oh bah ça dégage. What the fuck? Qu'est-ce qu'on s'est pris là? À la salle. Oh, je l'ai fumé. Oh, j'ai failli me prendre la bleue. Oh non, c'est terrible ce qui se passe. Oh, je suis. Ah, mais il buzz. Mais vous êtes à la salle. Ah, mais putain, mais. S'il me fume. Je te vois. Il vient d'enchaîner 10 000 pompes, mais. Non, non, tu bosses pas, frérot. Ah, je suis passé quatrième sans savoir comment ni pourquoi. Troisième, ok. La rouge elle est pour nous? Non, elle est pas pour nous. Faudrait pas qu'il l'affiche sur notre radar quand c'est pas pour nous en vrai. Je trouve que. What the fuck? C'est bon, tu viens de respawn mon frère. Oh non, il va balancer sa coquille rouge sur moi. Vas-y, mais détruis-la lui là-bas. Quoi? La bleue elle m'a focus, j'étais sur le bord. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Attends, mais regardez, il est là-bas alors qu'il tombe dans le vide, mais c'est terrible. Ah putain, il a fallu 3. Non, si c'est pour moi, c'est l'enfer. Ok. Je le vis bien. Pas une rouge, s'il te plaît. M'en fous, j'ai des champignons, hein. Non, mais gros. La rouge, elle va sur le wagon, s'il te plaît. Fais un effort. Oh, ça focus direct. Oh, ça rebalance une rouge avant la fin. On le passe. Quoi? En plus, on perd une place sur la ligne. C'est terrible. Oh, c'est terrible, envie de tout casser. Non, ça va, en vrai, 5ème, on est pas mal. On est pas mal, il y en a qui ont toujours pas fini. Let's go, les gars. On est vraiment pas mal. Ok. On passe sur... Antoine, t'es 12ème. Oh non, mais Antoine. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Oh non, raconte-nous. Mais j'ai plus les mots. Oh non, c'est terrible. Oh non, c'est terrible, Antoine qui craque mentalement. Oh non, oh, ça... C'est terrible. J'ai plus les mots. Antoine qui est au bout du rouleau. Oh non. Passage feuillu, il est pas passé souvent, donc... Map sympathique, plutôt. Oh non, ça va bien se passer. Oh non... Oh, on est 11, merci beaucoup à tous ceux qui sont là, ça fait plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous follow à la chaîne, ça fait plaisir. Ok, oh, en plus on le fait en 150, c'est juste parfait. C'est juste parfait, 2495 points, on peut passer les 2500 points hein, sur cette map les gars. On peut les passer. Je me fais bousculer dans la mine et l'accélération dans le vide à chaque fois. Et en dernier bonus, je me prends l'éclair, donc aucun espoir de rattrapage. Oh non. Oh non, c'est terrible. Ah non, mais c'est... Ça va bien se passer. Ok. Ça, je peux eu. Alors, on a eu 2 pièces sur 3. Petite rouge. Petite rouge au cul. Oui.
aïe aïe. Au bord de tomber dans le gouffre. Oh, toi par contre. Ouais voilà, je suis désolé. En trois petites pièces ici, gratuites. Hop là. Ça, ça nous accélère et ça, c'est nos avantages. Regardez, hop. Hop. Prends le double D. Oh, on a plus le double D, c'est terrible. Cette map est stylée en vrai, je trouve que... Franchement, le design de la map et tout, c'est grave stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais... Regarde ça, c'est magnifique. Observez ces paysages somptueux. On dirait un reportage Arte, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh non, c'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé, ma grande? J'ai pris ma coquine. Non. Ok. Je crois qu'il allait se prendre la rouge. Mais on la counter avec une... Enfin, avec rien du tout, en fait. On est même pas terrible. À nous. Ok, celle-là, elle est counter. Okay. On est double D. Oh, on a plus le double D. On va avoir une vieille pièce. Ah, j'ai pas eu les mots. Ok, ça, on a une banane. Pas mal. Pas mal ce qu'on produit ici. On a l'air d'être loin devant quand même. On va forcément se taper une rouge là sur le dernier tour. Ça m'étonnerait qu'on arrive premier. Ok. Voilà, la rouge est passée à côté de nous. Ça, c'est merci. Merci en fait. Attendez, mais comment ça la rouge est passée à travers nous? Oh, attendez la première place qui peut être décisive si on se prend pas de bleu maintenant. Let's go! À quel moment la rouge elle t'a pas calculé? Mais mec, je suis choqué! Comment ça tu viens pas vers moi? Enfin, c'est-à-dire que je suis devant? Ouais, je sais pas. Oh, par contre, la lumière. Oh, le soleil vient de se lever sur les tours. Du coup, on a une exposition extrêmement. La carapace raciste, elle aime pas les noirs. Ah bah. Ça, c'est pas moi qu'il faut dire ça, hein. C'est... Faut aller directement voir les concernés, hein. Mais ouais. Ouais, ouais. On est sur une victoire, ici, hein. Du coup, on a passé les 2500, j'ai même pas regardé, je suis débile. Pays fromage. Pardon. Pardon, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que, normalement, c'est censé juste être un aliment, le fromage, pas un pays. Et voilà, quoi. Après, voilà, quoi. Let's go les 2500. Ok, pays fromage. J'étais bien trop calme sur le dernier saut en toile. Je me prends une rouge qui me remet en arrière. Antoine, tu vas y arriver. Antoine, je crois en toi. Hein. Antoine, je crois en toi. Mais c'est terrible. Mais je vais t'aider. Je vais passer derrière toi pour que tu gagnes une place. C'est juste fou. Mais c'est terrible. Allez Antoine, en plus, là on est 11, tu peux pas finir 12ème. Tu peux pas finir 12ème, on est 11. Allez Antoine, je crois en toi. Sur Big Blue là, remonte-moi tout ça. Karma vaincra, oui. On espère. Hop, qui a voulu voler mon dé là? Hop, faut prendre les pièces ici. Cette pièce, pas mal. Mais cette map me donne mal au crâne, les gars. Je sais pas pourquoi, mais cette map, les gars, elle me fusille le cerveau. En plus, on est à l'envers à tout le temps, donc c'est chiant. On a eu aucun dé. Un véritable plaisir. Ça va, on était dans l'eau. Ah bah yes. Bah vas-y. Pas facile, tombe, mais encore plus de temps à tomber en plus, ça fait extrêmement plaisir. Non! Oh non, c'est pas notre map. Oh, c'est fini pour nous. On prend ta place, Antoine. Ah non. Antoine, j'espère qu'il me fait honneur en étant premier. Ah, bah je crois que. Ah, quelqu'un qui a arrêté de jouer ici. Ok. Mais quoi? Bah, le mec il me vole une coquille verte, je suis 10ème s'il te plaît. Fais un effort. Non mais fais un effort. Mais mec.
laisse prendre l'explosion. Mais gros, il a fait aucun effort par contre. Let's go. Putain, une carapace verte, tu dis. C'est quoi son but dans la vie? Bah, écoutez, pour le moment. Oh, j'ai voulu le viser. J'ai voulu le viser, je vais pas vous mentir. Ok, 7ème. 7ème, c'est pas ouf. 7ème, on fait un petit drift à la fin quand même. J'espère que ça rajoute des petits points de style. points, mais c'est juste incroyable en fait. C'est juste incroyable, mesdames et messieurs. On peut partir serein maintenant. On est à 2500 points. Merci Kali. Mais honteux, je me fais doubler par deux mecs. Attends, mais t'as fini combien? J'ai même pas vu. C'est fou. Tu vas y arriver? Il en peut plus. Antoine n'en peut plus. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok, on a l'air d'avoir des nouvelles personnes hein, qui viennent ici, bien sûr. Moi, je peux pas écrire. Moi, je voulais écrire. Attends, je vais décaler mon verre. Troisième, et j'étais premier sur les deux dernières sections. Oh putain, y a pas le goût. Hein. En gros, ça va déjà, c'est une belle map, c'est une belle run. Tu sais que tu es capable. Tu sais que tu le peux. Oh, Jean-Luc Mélenchon qui refait son retour. Bonjour. Comment il va, Jean-Luc Mélenchon? Allez, let's go. Ok. Il va bien et vous? Il parle de lui à la troisième personne. C'est Jean-Luc. Ah merde, je me suis fait éjecter par ma console. Ah merde. Ah bah tu pourras revenir la prochaine game. Let's go. Bon, du coup, on finira pas dernier. Moi, je finirai pas 12ème. Attends, mais tu joues? Attends, c'est pas toi le squelette là qui a fini 3ème? Oh, ça passe! Tu sais, je crois que tu joues. Enfin, attends, il y a un bot qui te remplace, je pense. S'il fait meilleur que toi, je rigole. Ça me fumerait. Ok, let's go. 10ème place méritée pour le moment. L'ordi a pris ma place. Ah bah ouais. L'ordi qui est actuellement dans les 9, 8, 7, 5, 4 positions à peu près. Oh, il est. Oh, je crois qu'il est. Je sais pas où il est. Je crois qu'il est derrière moi. Ah oui, il est derrière. Il est sur le mur, il est 9ème. Il escalade. Il escalade. Ok, je pense que là on peut cut en vrai. On a assez de trucs pour cut. Let's go. Oh là, ça dégage. Oh voilà, là, je suis désolé, il n'y a qu'un Yoshi, Yoshi Supremacy. Hop, on chope les 2D. Oh, 3 champis. Ah bah yes, ça c'est gratuit ça. Toi, c'est toi qui me l'as donné tout à l'heure, ouais, je t'ai vu. Hein. Bon, attention, hein, attention à ce que tu nous fais faire. Accélère, accélère. Let's go. Oui, oui, oui. C'était chaud. C'était chaud, les gars. Hop là, let's go. Hop là, les pièces. Troisième. Ah putain, il manque encore un tour. C'était trop beau pour être vrai. Oh non, c'est terrible. Hop, on va récupérer quelques petites pièces ici. On passera pas. Oh, en plus, il nous vole le dé. Oh, c'est fait boulos. Bon, bah, on va sur le petit marché ici. On visite aussi en même temps les maps, hein, les gars. C'est. C'est avant tout du tourisme, hein, Mario Kart. Pas mal là. On va peut-être garder. Ah non, regardez, hop, on va faire ça. Au moins là, on passe invisible. Est-ce qu'il nous. Ok. Après, le fantôme, c'est trop cheaté là, je viens de penser. Parce que du coup, regardez, je suis passé à travers le truc.
Je suis passé à travers et tout. Je vais me faire voler mon dé. Ah non, je croyais que je peux me faire voler mon truc. On gratte une deuxième place. On gratte une deuxième place en fait. GG à tous. GG à tous. Plus 22 points. Oh là là, 2545 points ici. Hop, si vous voulez rejoindre la game, les gars, n'hésitez pas. Hop, je remets mon code ami ici, hein, bien sûr. N'hésitez vraiment pas, vous me demandez un ami, je vous accepte et on peut faire des parties ensemble. Y'a aucun souci. Lequel on fait? Metro Turbo en vrai. Metro Turbo, c'est vraiment pas mal. Oh, mais les gars, là, le soleil vient de se lever, c'est terrible. Ok, let's go. Hop. Pas mal de châteaux d'Hyrule ici. Hein. Pas mal de châteaux d'Hyrule. Métro Turbo et de l'aléatoire, hein. C'est tout à fait incroyable. Ok. Sur quoi est-ce qu'on va passer maintenant? Ok, oh c'est ma map. On a choisi ma map. C'est tout à fait exceptionnel. Ok. Est-ce que ce monde est sérieux comme dit mon ami Francis Cabrel? Francis Cabrel et Jean-Luc Mélenchon, un feat incroyable. C'est tout à fait insane. Allez, let's go. C'est parti. Ouais, mais ces courbes, ces trajectoires qu'on prend, c'est un pilote professionnel, hein. Enfin, faut le dire. Ah non, oui, mais on est gêné aussi par... par des individus. Mais attends, mais il fait quoi lui? Mais ça suffit, arrête de prendre le métro. Ça va bien se passer. Non, ça va pas marcher. Oh, j'ai une triple banane, fais attention à toi mon grand. C'est un... pas mal. Obligé de faire le tour hein, comme des bolos. Y'a pas de soucis. Oh non, fuck dude. Faut pas se prendre l'étoile. En plus il a 3 rouges. Attends mais il est très bien lui. Moi j'aurais aimé l'écraser elle. Ah bah. Le métro s'en est chargé. Ah vous avez réussi à voir hier du coup. À quelle heure? 21h du coup. Oh c'est terrible. Bah merci, je me permets de prendre le double D ici. Oui. Ah c'était pour nous ça. Tu as sauté dessus. Oh on a réussi à avoir un petit dé. La musique quand on est tout petit, c'est le terme. Elle est pour nous. Hop là, ça dégage. Let's go baby. Non, à 17h, à 20h même moi je pouvais pas venir. Ah ok. Bon ça va en vrai du coup Dister. Et alors le. Est-ce que vous avez win ou pas? Est-ce que vous avez win? Nous on veut savoir les scores, on veut voir les résultats. Est-ce que vous avez réussi à gagner votre duel? Ok. Oh non. Oh cette réponse si claire, si nette. Non. Non, nous n'avons pas gagné. Parc Gloup, station Glagla. Station Glagla, on l'a jamais fait. Antoine est de retour, les gars. Antoine is back dans les bacs. Bien sûr. Je vais mettre le tableau de la war sur Discord. Moi, je suis Marez. Ok. Ok, ok. Oh non, mais c'est terrible. Bon, il y en a, ils ont des mis. Ça me termine, les gars. C'est incroyable. Oh, ils ont sauté. Ah, une erreur de communication est survenue. Oh non Antoine, je t'ai abandonné. Oh, je t'ai abandonné. Hop, on reprend le Yoshi noir qui est le meilleur Yoshi.
Avec les meilleurs équipements de Zelda. Meilleur équipement à Zelda. Ah oh non, je t'ai abandonné, Antoine. Mode spectateur, préparez-vous. Yes. Oh, je peux rejoindre. Il manque personne. Il manque 3 personnes, s'il vous plaît. J'étais là déjà, mais bon. Pas compris. 11e, mais 12e à la fin avec un mec 11e qui avait 40 000 points. 40 000 points? Attendez, mais on est tombé dans une game avec un mec qui avait 40 000 points. Mais ça, c'est abusé en vrai. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, mais mec, 40 000 puntos, il en faut des heures de tryhard. Ok. On a 3 tours à attendre, les gars. Ah là là. Hop. 14 000 ou 40 000, pas sûr. Ah oui. Ah, y a une petite diff quand même. On va pas se mentir, y a une petite diff. Mais même 14 000, c'est insane. Nous, on est à 2000 points grand max, genre 2000-2500. Et on tombe avec des mecs qui ont 14 000 points. Nice. Let's go. Oh là là. Oh, bref. La map qui est actuellement incroyable. C'est quoi ce circuit Mario, je crois. Daisy. Non, c'est quoi ça? C'est Daisy? C'est bébé Daisy? Je sais même pas. C'est vrai, j'étais sur la ligne, je suis sûr, et j'ai fini. Et puis finis devant moi. Antoine! Il y a du tease possible. Non, mais je pense que comme on est en ligne, il y a moyen qu'il y ait du ping. Enfin, tu sais, du ping en gros. Et que du coup, ta connexion, ça se trouve, elle pense que t'es devant, mais en réalité, t'es derrière lui. C'est possible, ça, par contre. C'est possible. Ça marche pas. Et Harmony. Ah, ok. Harmony. C'est bébé Harmony, ça? Je savais même pas qu'il y avait un bébé Harmony sur le jeu. Ouais, y a du cheat sur le jeu. Ah ouais, y a quand même du cheat, mais comment tu peux cheat sur Mario Kart, frère? C'est abusé. Ok. On est back dans les bacs. On est présent. Pif fromage. Oh, on passe sur une plage. Cheat sur le jeu. Putain, mais en vrai. Flemme de cheat sur. Y a flemme de cheat sur Mario Kart, oh. Après, je pense que. Bon, voilà quoi. Genre, ils ont que des éclairs. Ah! Putain. Ils trafiquent les dés. C'est la nouvelle mode chez les jeunes. Le trafic de dés sur Mario Kart pour avoir que des éclairs. C'est incroyable. Ok. Let's go. Plage chip chip, on est 4 à avoir choisi plage chip chip. Let's go! Let's go, la plage chip chip qui passe! On peut y arriver, on peut le faire. Antoine qui est présent! Antoine qui est présent, on est tous les deux dans la game. C'est tout bon, on peut repartir comme d'hab. J'arrive pas à rejoindre le Discord. Et le mec, il a trafiqué son but pour ressembler à Lipoutou. Ouais, j'ai vu. Je regarderai après pour le Discord. Je te le mettrai dans le chat, le lien. Ok. Oh là là, ce champignon qui a été si médiatisé. Ah non, pas pour nous la rouge. Ok, ça va. Quatrième, on fait une bonne partie là. On est Lipoutou, y a Lipoutou devant nous, putain. Putain, t'es premier, t'as une rouge, t'imagines? On va lui l'enlever. Ok, on a nos 10 pièces, c'est parfait. On va garder nos objets pour le moment, on va jouer sur la défensive. J'ai le seum, putain.
Et là, on le fait aller au bout du rouleau, on lui envoie une prime rouge. Ah, bon bah si t'as pas compris, on t'envoie une seconde rouge. C'est bon là, t'as capté ou pas? Bon, une petite rouge en plus, histoire de faire plaisir, hein. T'aimes bien Philippe Manœuvre? Je ne sais même pas qui c'est. J'ai pas assez de culture pour savoir qui est Philippe Manœuvre. Je sais pas qui c'est. Sauf que c'est quelqu'un d'ultra connu, je suis là, bon bah yes, moi je me connais pas. Oh non, je voulais grid ici. Non mais ça suffit, il y a combien de fantômes sur Terre? C'est lui. Attends. Ah bâtard. Il a posé une petite banane en plein milieu, c'est plaisir. Ah bah quelqu'un s'était prise. Let's go. C'est lui. Attends mais je vais regarder. Philippe Manœuvre. C'est un journaliste? Ah ok. Ok, ouais, c'est bon, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Alors, tac, le lien du Discord. Est-ce que... Inviter des gens. Non. Comment est-ce que je peux t'inviter sur le Discord? Peut-être dans les paramètres? Non. Oh. Merci du follow, le Coff Show, comment ça va? J'ai des émotes bizarres, mais mec, comment t'as toutes ces émotes? Paramètres du serveur. Plus ensemble, rôle. Nanana. Rôle, emoji, autocollant, modération. Nanana, activer la communauté, fil. Je sais pas trop comment te. Tu copies un nouveau lien. Ouais, mais en fait, comme je suis sur l'appli Discord, j'ai pas de lien internet. Comment faire? Antoine qui passe, qui fait de 11 à 5ème. C'est juste insane. Oula. Oula, attention. Attention, frère. Mais ouais, il nous envoie des nacs. Tu vas au début d'un salon. Ah. Ok. Si je vais au début de ça, par exemple. Attends. Oh merde. Attends, je finis. Je fais la game. Ok, j'ai même plus le chat sous les yeux, c'est juste terrible. Ok, c'est bon, je vous ai. On va sub gift. Ah, ok. Jean-Luc Mélenchon se fait sub gift. Oh, il a pris le double D que je voulais. Oh, il est passé invisible. Oh, il a le fantôme. Il a le fantôme. Hop là, il est là. Ah merde. Ah mais oui, mais du coup il est toujours invisible. Ah c'est terrible ça. Un véritable plaisir. 11ème hein. 11ème. C'est nickel hein, on va pas se mentir. Des gens que je connais même pas. Il est sub sur des chaînes qu'il ne connaît pas. Moi je crois que je suis sub à Domingo. Et c'est tout, il me semble que j'ai que ça. Je suis sub qu'à Domingo. En sub gift, hein, bien sûr, moi je. C'est pas sub. Quelques vraies personnes, je suis navré. Oh, je suis tombé dans le vide. Tombé dans le vide. Non, mais s'il te plaît, il y a une station spatiale en dessous, c'est bon. Moi je move, hein, c'est tout. Je suis ban chez Domingo. Qu'as-tu fait pour être ban? Oh non, je pouvais mettre l'étoile! Comment ça, tu es ban chez Domingo? Oh non, mais c'est terrible! Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, Jean-Luc! Oh non, mais c'est terrible! Let's go, ça part! Non, s'il vous plaît, faut respecter l'étoile un peu plus! L'étoile de... avant ça faisait aller un peu plus vite, là j'ai l'impression d'aller à la même vitesse que tout le monde. Oh bah yes, ça a changé.
Je suis repassé 12ème. Toujours en staps. Oui et non. Oui et non. Oh non, je suis retombé, putain. Oui et non, je sais pas, parce qu'en gros, je suis inscrit, j'ai payé. Mais j'ai pas eu le lien pour aller. Pour sélectionner les matières qu'on a déjà passées, tu vois. Et du coup, bah, je suis dans aucune classe. Du coup, voilà. Après-midi, je jouais au tennis à Longueurs. Ouais, ouais, et les modos me saoulaient, donc j'ai lâché un fuck les modos. Après, yes. Véritable plaisir. Hop. C'est le début de ce serveur. Alors, au pire, regarde ce que je vais faire. C'est que. Tac. Tac. Jean-Luc Mélenchon. Tac. Je t'ai envoyé mon lien, mon truc Twitter en MP sur Twitch, frérot. Au moins, t'as juste à. Tu m'ajoutes en ami et je te mets dans le Discord. Faudrait que je regarde le Discord, du coup, le lien et tout. Du coup, voilà quoi. Du coup, voilà. Pourquoi il a lâché un vieux fuck les modos? Ok. On est parti. Une petite année pour te lancer dans le stream, quoi. Et bah, je sais pas. Parce que en soi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai payé. C'est-à-dire que j'ai vraiment payé le Kroots, là, le truc comme ça. J'ai payé et tout. Et du coup, bah, je sais pas, parce qu'en gros, dans les listes de redoublants L1, je suis, mais je suis dans aucune classe. Du coup, ouais, nickel. C'est bon. Ok, hop. Discord en attente. Hop. Ça doit être toi. Hop. Let's go. On peut pas mettre en... En auto le perso là, si tant que je fasse un truc. Ok. Ok, par contre là. Oh, ça passe. Hop. C'est quoi? Hop, je vais t'inviter. On s'en fout. Inviter des gens. Je crois que c'est R. Oh, j'ai perdu ton pseudo, je suis un connard. RKTJ. Hop. Hop, hop, hop. Inviter des gens. RK. Oh non, en plus on a une erreur de communication. Invité. Hop, je t'ai invité du coup. Tac, tac, tac. On revient ici. En tout cas, c'est Cali ce que tu fais. Forcément. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, frérot. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Merci d'être passé. Merci du follow. Nickel. Hein. Hop, on repart sur ça. Oh, attendez, j'ai un petit point d'exclamation. On a Link. Mais Link est moche. Je suis navré, hein, mais. Je suis navré, mais Link est très moche. Ok, let's go, on part sur un autre truc, on part sur un nouveau serve ici. Let's go. 11h42, on va live encore une petite heure. Ouais, une petite heure. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, mesdames et messieurs. Recherche de joueurs en cours, bien sûr. Hop. Et puis voilà quoi. La recherche du joueur est très lente, hein. Très très lente. Hop. Mode spectateur, préparez-vous. Oh, je suis prêt, mec. Je suis prêt à regarder. C'est un truc de fou. Je me suis entraîné des années pour ça. Oh, il y a Pikachu, OMG. Villageoise. Villageoise, c'est quoi? C'est des bots? En quoi, il y a des bots? On peut tomber sur des bots en ligne? Parce qu'en vrai, ça, c'est horrible si on tombe sur des bots en ligne. C'est un enfer. C'est un enfer de tomber sur des bots en ligne. Ce serait terrible. Mec, t'es là, tu payes ton abonnement, je sais pas combien d'euros par mois. Par an. Tu payes 20 balles par an. Et t'es là, tu tombes sur des bots. Bah yes. Bah yes, c'est un véritable plaisir. C'est un véritable plaisir. On est en vue très près sur Waluigi ici.
C'est une vraie méta, hein, le Waluigi avec Wiggler. C'est ça, c'est la moto, c'est Wiggler. Oh, c'est ça, j'avais zappé. J'avais zappé. La moto, c'est Wiggler. Tout cas, c'est un premier tour ici. On n'est plus dans la même. Bah non, j'étais déco, Antoine, faudrait que tu re-rejoignes. J'étais déco, je suis désolé. T'as mis le tableau? Ok, je vais voir ça. Ok. Nana, Excel, Excel, Excel. Toi, t'es Marez, ok. Du coup, t'as fait sixième. Ah oui, quand même. Ah, les deux premiers de l'autre équipe, ils ont quand même fait 131 et 124 points. Oh, ils sont chauds, hein. Ah ouais, ils sont chauds, hein. Ah ouais. Bon, en tout cas, en vrai, GG, parce que quand même, faut le faire du coup. Ah, t'as fait troisième. Mais mec, t'es trop chaud. T'es trop chaud, Antoine. En fait, quand je suis pas là, t'es chaud. C'est juste une série. En vrai, c'est cool de faire les tournois comme ça. En vrai, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Ok. Hop, on est tout bon. On refait noir aujourd'hui à 18h, mais on n'a pas encore de team à affronter. Ah. Ah ça c'est dommage. Ah ça c'est dommage, s'il y a personne. Bah Yoshi, c'est ma map, après je l'adore. Ah ouais. Ah, faut aller Yoshi, moi je trouve pas ça. En vrai, je le trouve pas ouf. Après, il y a plusieurs chemins, je sais, et il y en a un qui est que tout le monde utilise. Et je sais pas vraiment si c'est vraiment mieux d'utiliser, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est tu vas plus vite ou pas. Le matin, il y a personne encore. Ouais, bah ouais. Je comprends. En plus, après, on est dimanche, donc normalement, tu devrais trouver facile. Tu devrais trouver facile, je pense. Ok, c'est fini. Le dimanche, mais il n'y a pas les tournois. C'est pas aujourd'hui qu'il y a le tournoi de Ponce? Il me semble, hein. On va pas faire le temple de Chomp aujourd'hui. Go partir sur le temple. Envie de vous dire go partir sur le temple. Hop. À 5h du mat, c'est bien, il y a les Mexicains. Les Mexicains, ils sont chauds. Genre, je commence à déraper dès le premier virage jusqu'au petit pont et t'arrives sur le pont au dérapage. Je vais aller. Ouais, c'est ça. C'est cette map là, mais c'est abusé en vrai, même c'est trop cheat. Si le 15 à 16h30. Ah, en vrai, mais c'est des tournois que d'une heure et demie. C'est vraiment en vrai. Moi, je serai au boulot. Aïe, 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 en plein dans le dur du boulot. En plus, il fait un temps, on sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Il y a des maxi nuages qui arrivent. Il y a un vent de bâtard. Du coup, je sais pas si on va dehors. Ouais, ils sont chauds. Ah. Ah. Les Mexicains, ils sont déter sur Mario Kart 8, bien sûr. Qui n'aurait pas pensé que les Mexicains étaient déter sur Mario Kart 8? Hop. Bon, la France, on est champion du monde. Ah oui! Ah, c'est. Mais mec, c'est incroyable! Champion du monde! Le mec, c'est juste insane! Trop chaud en fait! Et comment tu définis qu'ils sont champions du monde? C'est genre, il y a des courses avec genre 12 nations dans une même map et ils font plusieurs maps, ils font une espèce de gros tournoi aussi. C'est celui qui a le plus de points qui gagne. France vs Japon, c'est considérable. Ah, c'est insane en vrai. Ah, c'est des pays qui s'affrontent genre en 6v6. Malgré les Japonais. Ah putain. Chaud de ouf. Parce que je m'intéresse pas du tout à la scène e-sport sur Mario Kart. Let's go. Bah, il y a les phases de poule, les 8e, les quarts, les demi-finales. Ah, ok.
Ils doivent en bouffer des maps Mario Kart. Ils sont tous en Waluigi Wiggler. C'est la tenue traditionnelle de chaque pays. Hop là. C'est vrai que l'e-sport sur Mario Kart, pourquoi pas en vrai hein. Après il y a aussi, je sais pas s'il y a quand même pas mal de facteurs chance en vrai hein. Toutes les années on perdait contre les Japonais mais là on a enfin gagné. La remontada, la revanche. Hop. Oh oui, bon, on va te grailler. Mais ma plante elle est pas censée la graille la putain de carapace, c'est terrible. C'est terrible. Let's go. Oh là là, 7ème un canon. Mais c'est abusé. Mais c'est abusé, j'ai un canon en 3ème place. Oh il me lâche dans le virage. Oh le connard. Antoine, Antoine, je te vois. Attendez, il est où le premier? Le premier, c'est la pitch en doré là? Ah, yes. Pikachu qui est parti. En vrai, noir, c'est beaucoup moins de chance. Ah, ok. Ok. Mec, la meuf qui est arrivée première, elle était déter, hein. Ok, ok. Beaucoup moins de chance. Ouais, c'est vrai que... Parce qu'en soi, à partir du moment où t'as des dés... À partir du moment où t'as des dés aléatoires, tu peux parler de chance. Mais en vrai, je suis sûr il y a des strats en mode, il faut qu'il y en ait un de ton équipe qui soit dernier pour avoir les éclairs et tout. Enfin, voilà quoi. Je suis sûr il y a des petits strats. What the fuck, l'avance qu'avait Pitch Metal. Mais mec, t'as vu ça, c'était insane. Je l'ai vu qu'à la fin, je me disais, mais attends, j'étais deuxième, mais j'étais là, bon, bah, où est le premier, quoi. Et non, elle était, elle avait un tour d'avance. Juste incroyable. Non, mais c'est insane, hein. Ouais, c'est ça, il y a des strats. Putain. Ouais, c'est dingue, hein. En vrai, c'est dingue, hein. Allez, let's go. Oh là, si c'est pas piste musicale, par contre. Let's go. Il avait tout le gros virage de la fin en avance. Ouais, mais mec, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Elle nous a détruit, littéralement. Elle nous a posé sur place. Hop, je vais pouvoir un peu remonter la lumière, ici. Voilà. Let's go. Piste musicale. Concentré. Oh le départ. Ouais pas ouf. Pas ouf. Oh je suis tombé dans le sol. Voilà, j'ai noir à 18, donc là on les a déjà peut-être deux fois dans la semaine. Ah. Pour moi c'était des ennemis naturels. C'est des ennemis naturels. Après c'est vrai qu'affronter toujours les mêmes personnes, ça doit être un peu chiant. Oh, pas mal de pièces ici. Non mais gros, tu m'as apporté une pièce, t'es sérieux? T'es sérieux, tu m'as donné une pièce? Oh je suis désolé, c'était pas pour toi mais... Oh tu t'es prise hein. Oui. Je vais me faire fumer par un boomerang. Pas mal ici en deuxième position. Il se prend la bleue. Ah, je vais garder ma... Pas de soucis, je vais garder ma rouge, mais apparemment je peux pas. Uxian qui est chaud. Hein. Oh, on sort. Oh, on sort sur ça. Je fais taxer les trois pièces. On est deuxième hein, quand même.
va comprendre. Oh non, j'ai pas de quoi dans la rouge. Ok, c'était pas cool. Oh, ça fait deux fois qu'on vient avec des champignons ici. Erreur fatale de la tombaison du joueur français, la tombaison. Nouveau mot. Nouveau mot, bien sûr. Let's go. Pas mal. Oui. Putain, mais les bleus, je sais jamais quand est-ce, où est-ce qu'elles passent. Oh, c'est terrible, là, on s'est pris une double sauce éclair et une double poulpe qui nous envoie de l'encre. Ça me fume, mais ça me termine de bruit. Oula. Moi, c'est mieux peut-être de passer par là. On va laisser le mec arriver premier, on va essayer de... choper la seconde place, par contre tu dégages. Sois gentil, pas méchant. Oui, c'est méchant, c'est gentil, c'est méchant. C'est méchant d'être gentil, c'est gentil d'être méchant. C'est pas gentil d'être méchant. C'est le slogan de la chaîne. Pas gentil d'être méchant. Plus 21 points, on passe les 2600. Ici bien sûr, 2611 points. Juste incroyable. Juste incroyable ce qu'on a réussi à proposer. Let's go en fait. Let's go pour la map d'après. J'ai pas vu combien t'avais fait. Moi je dois te laisser. Bonne journée. Et eh ben bonne journée Jacques Mélenchon. Merci d'être passé. Ça fait grave plaisir. Puis on se retrouvera un autre jour si tu repasses sur les streams. Ça fait plaisir. On a du Mario Kart au moins une fois par semaine. Hop. Let's go. Feuillage. Non, c'est quoi ces maps feuillues là? Je sais pas quoi. Passage feuillu. J'arrive même plus à me souvenir du nom de la map. C'est terrible. Ok. Let's go. Ah, mais ça je peux envoyer. Non. Passage feuillage. Ah, ok. Merci. Ouais, non, tu nous as envoyé un petit toujours Antoine. J'ai pas compris, je t'avoue. Oh non là. Yes, let's go, le passage feuillu, mesdames et messieurs. Oh, il est là. Oh, il est là. Passage feuillage, pardon. Passage feuillu. Feuillu, ça veut rien dire. En plus, feuillu, je suis débile. Ok, let's go. On est second. On passe en second. Je disais, t'es toujours deuxième, mais c'est toujours à cause de la fin. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai, mais en vrai, moi ça me dérange pas. Au deuxième, on gagne des puntos, donc en vrai, tant mieux. Tant qu'on gagne des points. Après, j'avoue que la première fois, ça fait quand même zizir, mais. Mais voilà quoi. Ah, ça fait counter, donc. Faut pas qu'on passe premier, parce qu'elle a une rouge. On va la laisser en first. Parce que de toute façon, dès qu'on va passer, on va se la prendre. On peut être sûr. Maintenant qu'on a une verte, on peut la passer. On se fait niquer. Putain, je suis dégoûté. En plus, je reste derrière elle. Je suis là, bon, bah elle a une rouge, elle va jamais l'envoyer à l'arrière. Mais si, si, elle va l'envoyer à l'arrière. Effectivement qu'elle va l'envoyer à l'arrière. J'ai... Let's go. Troisième ici. Ah, deuxième. Ah. Je crois que quelqu'un s'est pris notre coquille. Ah, dommage, on a pas le dé. Let's go. Wouah, j'ai cru que j'allais me prendre sa banane, mais non, on s'est pris une rouge. Ok. Oh, c'était sûr. Bon alors là c'est... Ça va être tendu, là j'ai pas de... C'est moi ou il y a un petit champignon qui vient de passer? C'est moi ou il y a un petit champignon qui s'est dit bah let's go? Let's go, je me balade en fait, tout simplement. Ok, on va prendre le double dé, on peut se contenter d'un simple dé. Je sais pas si la rouge est pour nous, mais j'espère. On s'est pris quoi?
C'est terrible. Oh là là, c'est terrible. 11ème place. Ok, ça va arriver à passer. Qu'est-ce qu'il va me ramener? Coquille verte. Oh là là, 9ème. 9ème. Alors ici, on s'est fait détruire. On s'est fait détruire. C'est terrible. Oh là là. J'étais premier, le deuxième avec un pas sur la fin. Ah putain. Du coup, t'as fini deuxième. Bon, en vrai, c'est mec, c'est incroyable, deuxième. Hein. Pourquoi on est meilleur? D'arc-en-ciel en soi, hein, parce que. J'aime pas les maps qui sont trop petites. En vrai de vrai, j'aime pas trop les maps qui sont trop petites. Du coup, faut partir sur une map qui fait un peu plus. Un peu plus de tours, un peu plus longue. Ça fait plaisir, hein, bien sûr. Ok. Let's go. J'espère que. Oh, on est pas mal. On a 4 choix de route arc-en-ciel ici. Troisième, le 2, 3, décoller. Ah merde. Ok. Là, ça se joue, hein. Là, ça se joue. Oh, let's go. Oh, let's go, là, la route arc-en-ciel. Bon, après, c'est en sans cesser, donc c'est pas ouf. Mais là, elle fait plaisir quand même. Oh, 2608 points ici. Let's go. Allez. Concentré. Dans la course. Quasiment tout le monde est en moto. Hein. Quand on regarde sur les 12, là, on en est déjà 6 ou 7 qui sont en moto. Présente la France, il est vrai. C'est vrai que la France est représentée ici. Ouais, non, j'étais obligé que je tombe. J'ai vu que ma courbe elle était nulle à chier. Let's go. Ah. On est cinquième, hein. On est dans la masse. Passons ici. Oh la bombe. Il a pris juste devant nous, j'ai la mort. En plus, quand t'es 6ème, c'est vraiment là où il faut avoir des dés, ça fait la diff. Ok, j'ai pas compris, on a eu un petit boost de vitesse ici. Let's go, le double dé. Mais on se prend du feu de où là? S'il y a personne qui avait du feu. Let's go. Non, fallait pas tomber. Fallait pas tomber. Non, je suis deg. Sixième. L'air d'être sixième, hein. Sixième, mesdames et messieurs. Bien le bonjour. Salut Aurélien. Comment ça va? Comment ça va? Pas ouf. Pas ouf ici. 9 petits puntos en plus. C'est pas génial, hein. Pas génial, pas génial. Hop. Let's go. Ok, tranquille, toi t'es en live pour combien de temps? Alors bah moi ça va nickel. Et là en soi, je vais arrêter 1h40, j'arrête dans 20 minutes. En fait, je fais les 2 heures de live. Et après j'arrête. Parce que je vais travailler, du coup on va se faire encore peut-être 3 ou 4 parties je pense. Du coup voilà quoi. Et après on va bosser. Enfin on va manger et on va bosser. Voilà voilà. Vas-y, pas de soucis, je te rejoins pas alors. Ouais, à part si tu veux faire 2-3 parties, mais sinon ouais, ça vaut vraiment pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Let's go. Ok. Wario. J'ai quasi jamais fait la map Wario, hein. C'est tout nouveau. J'espère que ça... Oh non, mais ça va pas du tout tomber sur ça.
Oh, c'est sûr. Ok, ça tombe sur l'aéroport là qu'on a fait il y a littéralement 5 minutes. Pas de soucis, hein. On est avec Antoine. Antoine, le seul français qui représente, qui est dans le chat. Antoine, bien évidemment. On va aller fumer, Antoine. Let's go. Oh, le départ! Le départ est tout à fait incroyable. Oh non, on se prend le. On s'est pris les pneus. J'ai le seum. Oh, j'ai la mort. On s'est pris les petits pneus là. Véritable plaisir. Ok. La trage ici. Let's go. Let's go, let's go. Oh, Uxian. Oh, Uxian, c'était pour toi. Elle était pour toi, celle-là. T'as fini premier tout à l'heure sur la même map. La banane que je viens de placer. Elle est terrible, elle est vraiment tombée dans le trou quoi, putain. Elle est fou la mort. Hop là, regardez-moi ça. Il est si bien placé que tout le monde va se la prendre. Quoi? Oh, ça a même pas pris le boost. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible ici. Let's go. Pas mal, pas mal. Oh, yes. Ok. Oh oui. Ok, c'est le moment, c'est le moment. On appuie sur les gâchettes. Ah, ça fait klaxonner. Ah, je savais même pas. Je savais même pas que quand t'avais rien, ça faisait klaxonner. Attention, parce que pitch de métal, ça fait deux fois qu'on fait la map et ça fait deux fois qu'elle est première, mais elle est un peu devant. Tout à l'heure, elle était vraiment devant. La coquille ah, ça va se passer la coquille hein. Je crois qu'elle s'est pas pris notre rouge. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé quoi là? Bah merci. Oh non, on se fait cramer à la fin. Bon, on va pas faire troisième hein, je pense. Troisième? Ok, si on fait troisième. Nickel. Nickel, nickel. Plus 18 points. Oh oui. Ah oui, quand même. Antoine qui fait 6ème. Antoine qui est chaud, hein. Monstrueux, le Antoine. On passe à 2635 points. Ok. Royaume Sorbet. Les gars, Royaume Sorbet, c'est une map que j'ai jamais fait. Elle est jamais sélectionnée. Mais là, oh là, elle est sélectionnée. Ça me fait mentir. Elle est sélectionnée de ouf. A chaque fois qu'il y avait, elle n'était pas sélectionnée. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Hop, on baisse un petit peu les volets. Voilà, moi je règle ma luminosité avec les volets. Hein. Du coup, tu stream avec quoi? Ah, bah alors là, je suis en. Je suis sur PC, hein, bien sûr, sur mon PC avec un écran principal ici où il y a la cam et tout ce qui est le Streamlabs et tout pour que je vois le chat, les follow et tout. Le jeu ici sur un deuxième écran que j'ai ici. J'ai ma Switch en bas. J'ai ma cam. J'ai mon casque micro. Après j'ai un autre micro ici là. Regardez, hop, j'ai un autre micro Rode. Mais il faut que j'achète ma table de son pour le faire fonctionner. Et après j'ai un stream, j'ai un Elgato HD60S qui permet de mettre en gros le gameplay de la Switch sur mon PC. Et après via mon petit stream, et ben, je peux vous le proposer, voilà. Voilà, voilà. France vs le reste du monde, c'est parti. Et je stream avec Streamlabs OBS, voilà. Si vous voulez tout savoir, Omerek c'est Marty Prof. Ouais. Après pour stream, il faut vraiment avoir une bonne co. Hein. Fibre, t'es bon. Et moi je suis bon, je peux stream jusqu'en 720p. Je crois que je peux pas stream encore le 1080. Parce que ma co ne le permet pas. Il doit pas être fibré, je pense. Mais 680, je pense qu'en vrai ça va. C'est quand même regardable. Voilà.
Let's go. Ça m'a pas pris les dés. Oh, j'ai la mort. Bon, comment lui il a eu un dé? Moi je l'ai pas eu. Un enfant qui râle. Comment il a fait? Moi t'es pas. Est-ce que c'est pas grave? Pas sixième. Ça me fait pas mal. Garde la tête haute, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il y a un double D? Il n'y a pas de double D. Non, mais pas de soucis. Toi, toi. Mais toi, viens là, viens, 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 viens. Mais quoi? Je me suis pris quoi encore? Ça suffit. Je crois que je vais me la prendre elle aussi. Oh, elle peut. Elle a fait tomber. Hein. Oh, c'est terrible, elle s'est fait foudroyer ma plante, c'est terrible. Oh non. Oh bah vas-y, t'aurais pu m'envoyer sur le truc qui fait plaisir là, on est 7ème. C'est terrible. Ah, y'a pas de double D encore. Ok. Oh la plante. La plante, les gars, j'aime bien en vrai, c'est vraiment fort je trouve. Ça dure pas trop longtemps, c'est bien équilibré. En vrai... pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Oh, c'est le dernier. Non, c'était le dernier. Oh, c'est terrible. Bon, on assure la cinquième position, les gars. Sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matata, bien sûr. Let's go. Ok. 2647 points. En vrai, on go taper les... Je pense qu'on peut taper les 2700 aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on peut taper les 2700. C'est l'objectif du live. Go taper les 2700. Et après, on pourra s'arrêter, hein, bien sûr. Royaume Sorbet. Je revoterai Royaume Sorbet jusqu'à que cette map passe. Jusqu'à que cette map passe. Le dernier tour m'a mis tellement mal. Ah ouais? Ah non, moi, tu sais que le dernier tour, c'est ce qui m'a sauvé. Hein. Le dernier tour, c'est ce qui m'a sauvé. Hein. Sinon, j'étais 8-9e. Et je crois que j'assure une 5e place. Donc, en vrai, moi, je suis content qu'il y ait eu le dernier tour. Allez, go. Je tiens de tous les deux premiers tours et j'ai fini 6ème. Oh, putain. Ça, c'est terrible. De toute façon, en vrai, dans Mario Kart, c'est rien d'être premier, deuxième dans les premiers ou troisième dans les deux premiers tours. À part si le circuit est très court, mais sinon... Sinon ça sert à rien en vrai. En vrai, Merci du follow Gigi FR. Merci du follow. Ça fait grave plaisir. Let's go. Ok. Comment ça va Gigi FR? Ok, pas mal. Je peux rejoindre. Ouais, tu peux rejoindre, ouais. Je vais te mettre mon code ami. Alors attends. Hop. Je te montre mon code ami dans le chat ici. Petit contrôle. Ah non, c'est plus ça. Je te montrerai mon code ami après du coup. Je te montrerai. Je crois que c'est SW et après j'ai plus les chiffres en tête. Ah ouais, si tu veux rejoindre, tu peux. Après on finit dans pas longtemps, hein, vraiment. On va faire encore 3-4 maps et après on arrêtera. Mais n'hésite pas ouais, si tu veux rejoindre, aucun souci. Let's go, on est 11ème, on est sur le Royaume Sorbet, on est enfin sur notre map. Faut pas décevoir. Enfin, c'est notre map, c'est la première fois que je la fais. Donc, Oh, on l'a détruit par le haut. Ça vient du ciel. Ok, on peut aller dans l'eau ici du coup. C'est quoi le mieux, c'est d'aller dans l'eau ou pas? On gagne des places. Oui, on gagne pas mal de places. Ah oui, on est quand même troisième. Ah, on se prend une petite rouge au cas où.
histoire de nous remettre à notre place. Le canon à la 8ème position qui fait zizir. Hein. Waouh! Oh, ça fait plaisir. Oh, lâche-moi là. Oh, mais ça prend les dés. Avant, ça prenait pas les dés, je crois, quand t'avais le canon. Enfin, sur les anciens Mario, pas. Pas celui-ci, sur celui-ci. Ok, let's go. Ça fait combien? On est 3ème ici. Ils sont où les deux? Ah oui, ils sont vraiment loin devant. Attends, Waluigi, il est dernier ou il est premier? Je crois pas. Okay. On a un petit canon. Oh, il veut nous focus. Vas-y, vas-y, passe, frérot. Oh, si on peut voler le multitruc là. Let's go. Alors là, on est on fire. Hein. Attends, mais on est 3ème, on a ça, c'est incroyable. Let's go. Bah, s'il vous plaît, on est à l'envers. Mettez-nous droit le jeu. Ok, 3ème place. Let's go. Je vais te donner mon code ami, frérot. Hop. Alors, normalement, c'est ici. SW. Hop. SW. Ici. Hop. Je vais le noter au cas où dans le chat si jamais il y a d'autres personnes qui veulent rejoindre. Tac, hésite pas. Hop. Le voici, le voilà, mesdames et messieurs. N'hésitez pas. Hein. Si vous êtes chaud, si vous voulez jouer. Après, là, on finit bientôt. Donc, c'est l'histoire de quelques maps encore ici. Mais vraiment, n'hésitez pas. Hop. On part sur quoi? On part sur Circuit Mario, Route Arc-en-Ciel, Piste Musicale. Piste Musicale, c'est la plus safe, on va pas se mentir. On va pas se mentir. C'est la plus safe. Ok, on est à 10 secondes ici. Deuxième, avec aucun espoir du premier vu à l'avance de Baby Harmony. Ouais, mais mec, la première, je sais pas où elle était. Tu sais que t'es chaud hein, d'avoir fait deuxième. T'étais loin aussi devant. Hein. Moi j'ai fait 3 et franchement c'était la galère. Hein. C'était la galère. Ok. ...2666, oh le score maudit. Oh le nombre de points maudits ici mesdames et messieurs. Oh c'est terrible. C'est pas trop, je l'ai 3 à la fin. Ah oui, c'est celle que j'ai vue qui m'ont frôlé le cul. Ah, c'est terrible. Oh, j'ai été cancel par le sable encore une fois. Hein. Oh, je t'ai envoyé une rouge, Antoine, je suis navré. Oh, je vais être dans le décor. Oh, c'est terrible. Oh, le parcours que j'ai. Le parcours que j'ai mis. Okay. J'ai failli me la prendre, la bleue. Hein, je vais pas vous mentir. J'ai fait un petit slide sur le côté. Oh, attendez, j'ai vu un petit trou sur le côté droit, un petit passage, je pense. Donc on est deuxième. Ah, bah on est troisième. Bon, on descend dans les profondeurs du jeu. Avec ta plaisir encore. Ah, yes. Pas grand chose ici. Ok, c'est bon. Okay. Ça, on va l'utiliser pour cut. Quel cut on va prendre par contre? Ah bah aucun puisqu'on se le fait voler littéralement. On le bouffe. Ok, je crois qu'on a eu le double D. Ah, c'est le last tour. Hein. Comment ça? Oh, je suis 7ème. Oh non, 8ème en plus. Oh l'enfer.
Oh l'enfer! Oh c'est terrible. Hop, je vous remets le mon code ami ici bien sûr, hein, si vous voulez rejoindre. Y a pas de souci. Je crois que j'ai gagné 2 points. C'est incroyable. C'est littéralement incroyable. Oh, forêt tropicale Donkey Kong. Mais ça date ça. Ah bon, on s'est fait tartiner. Hein. Je crois que t'es juste derrière moi, je crois, non? Ah, on s'est fait flanquer en l'air. Moi, à la fin, là, je me suis pris une saucée. C'était terrible. Terrible, terrible, terrible. 10e. Ah oui, d'accord. Moi, je suis 8e. Oh, bon, on s'est fait arracher. Bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Il nous en faut pour nous remettre à notre place. Pour nous remettre à notre place, c'est juste incroyable. Je vais tout donner. Donne tout, Antoine. Donne tout, Antoine. Ok. On est parti. On a pas mal de forêts Donkey Kong, là. On en a 4, 5. On a aussi. C'est quoi? C'est Copapolis, il me semble. L'espèce de ville là qu'on voit. En vrai, pourquoi pas. Hein. En vrai, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, Copapolis. J'ai jamais. Enfin, c'est pas que j'ai jamais fait, mais. C'est très rare que je fasse ça. Très très rare. 2668 points. Merci du follow, Ips6. Merci, merci beaucoup, frérot. Ça fait grave plaisir. Let's go. On part pour Copapolis du coup. Ok. Comment ça va? Comment ça va? Ipsis. Ipsis. Oh là là, ce bruit de moteur. On peut la garder en vrai pour le moment, parce qu'à tout moment là, on se prend une petite couche. Un petit champignon derrière, hein, on n'oublie pas au cas où. C'est du Mario Kart sur Switch. Ouais, c'est ça, c'est Mario Kart 8, donc c'est. J'allais dire le dernier, mais c'est-à-dire que ça fait 7 ans qu'il n'y a pas de Mario Kart qui sont sortis. Alors, sans aucun souci, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est Mario Kart sur Switch. Ok, pas mal. Je suis pas sûr que ce soit très judicieux d'avoir utilisé maintenant. Étant donné que. Ok, c'est bon. Merci. On va se prendre la bleue, je ne vois plus rien. Ok, on arrive à faire premier là-dessus. On a une petite rouge en plus. Une petite rouge là-dessus. Let's go. Ouais, c'est une map plutôt dynamique, je trouve. On est beaucoup en dérapage, beaucoup sur tout ça, tout ça. Ouais, c'est cool. J'aime bien pour le moment. Du coup, je suis pas encore tombé. Le moment où je vais tomber, je vais insulter la map. Là, bon, bah, c'est pas ouf la map. J'ai qu'une pièce. Je crois que si je garde ma pièce, j'ai pas de pièce derrière. Et ça, ce serait bénef. Ah oh, putain, j'ai pas eu le temps de prendre ma rouge. Comment elle a fait péter les plombs cette map sur 3DS? Ouais, sur 3DS c'est de l'enfer. En même temps, déjà la maniabilité de la 3DS. Voilà quoi. Pas sur une maniabilité de ouf. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça pour pas se prendre la bleue. Putain, mais c'est un délire. La moto a l'air cool. Ouais, c'est celle de Zelda. Zelda Breath of the Wild. Qui est pour moi l'un des meilleurs jeux vidéo qui ait jamais été. Il est incroyable. Ce jeu, Zelda Breath of the Wild, c'est le monde ouvert. Tu peux te balader où tu veux, quand tu veux, c'est juste incroyable en vrai. C'est pas comme les autres mondes ouverts où t'as, tu sais, t'as toujours un petit peu. Un petit truc. La première place? On chope la première place sur ça, mesdames et messieurs. Ouais, mais du coup, Zelda Breath of the Wild qui est un très bon jeu. Et du coup là j'ai sa moto, j'ai ses roues et j'ai son planeur, c'est pour dire. C'est pour dire. C'est juste incroyable. Et ouais, un maximum de GG. La première place, on passe à 2692, il nous manque plus que 8 points. Plus que 8 points ici. Bientôt t'auras Pokémon The Wild. Ouais. Et bah du coup ouais, parce que du coup ce que j'étais en train de. Ce que j'allais faire, c'est que. Du coup là on est en Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu, donc il date un peu tous les lundis. Jusqu'à que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillant, je crois, sortent. Donc je crois que c'est en novembre que ça sort. J'ai regardé d'ailleurs. Date sortie Pokémon
Diamant. Il me semble que c'est en novembre. Hein. Le 28. Ah oh ouais, 28 septembre 2010. Diamant Remake. Je sais pas quand ça sort. Je crois que c'est. Ouais, c'est en novembre. C'est en novembre. Le 19. Donc en vrai. En vrai, ça va. 19 novembre, ouais. Ouais, c'est ça. Tu feras du random en Pokémon. Comment ça, du random? Là, je fais l'aventure sur. Je fais l'aventure Pokémon Let's Go classique. Je vais faire le 100% Pokédex. Et après, je sais pas ce qu'il y a. Du coup, je verrai. Mais pour le moment, là, on part sur un 100% Pokédex et sur finir l'aventure. Du coup, voilà. On part sur ça pour le moment. Et j'espère que ça nous prendra jusqu'en novembre. Donc tout le mois d'octobre, en gros. Parce que là, on a fait que on est qu'au premier badge. Il me semble que j'ai eu le premier badge. Ah, je pense faire des roms genre random. Ah, on a déjà fait en live la rom sur Pokémon HearthGold là. On l'a pas fini. Je pense qu'on le finira jamais, mais on avait commencé, on avait plutôt pas mal avancé. Et du coup, en vrai, je trouve que les roms c'est cool. Mais en soi, la maniabilité des ROMs, c'est à chier, genre. Franchement, je trouve autant faire les nouveaux qui vont sortir sur Switch. What the fuck? J'ai pas compris ce que je me suis pris là. Du coup, ouais, je pense qu'on va se faire ce sera plutôt les nouveaux sur Switch. Donc, je pense. En vrai, je pense que je partirai sur Diamant. Je suis plus Team Dialga que Palkia. Plus Team Dialga que Palkia, comme je pense beaucoup de gens. Et du coup. Oh bah yes, on s'est pris littéralement une bombe sur le crâne. Du coup on partira sur ça. Et ensuite on partira bien sûr sur la légende Arceus qui en vrai, lui, ça a l'air de changer totalement. Et en vrai c'est pas plus mal en vrai. Pas plus mal que ça change. Même si l'interface était cool hein, de Pokémon, c'est vraiment des jeux qui ont marqué. Les jeux pour faire du changement, pas mal. Mais c'est l'air d'être un monde ouvert aussi à la Zelda, Zelda of the Wild. Perso, j'ai entendu, j'ai préco la nouvelle Switch et Perle scintillante. Ah, il y a une nouvelle Switch en ce qui sort. Ah oui, mais ça c'est en début d'année, non? C'est en 2022, je crois qu'elle sort, non? T'as déjà préco? Moi j'irai, je pense, le jour de la sortie à 8h du matin à Boulanger, espérant que ça passe. Après, je pourrais rejoindre une game. Ouais, pas de soucis, je vais te mettre mon code ami. De toute façon, là on va faire, je pense qu'on fait encore 5 ou 3-4 games et après on. Après on arrête là bien sûr parce que je bosse à 2h et faut que je mange. Dans 1h30 en gros. Même si je suis à 5 minutes de chute de mon taf. C'est dans 2 semaines. Ah elle sort dans 2 semaines. Ah ouais. Et c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Parce que là déjà j'ai vu ils ont fait une mise à jour pour mettre le Bluetooth. Waouh Nintendo, merci bien de mettre le Bluetooth en 2021 sur une console, c'est incroyable. C'est juste insane. Du coup voilà j'ai vu ça et. En vrai c'est pas ouf. Il y a toujours pas de port Ethernet hein. Bien sûr j'espère que sur la nouvelle il y en aura peut-être. Même si je pense pas que j'en achèterai une. Il faudrait Nintendo un peu de modernité s'il vous plaît. Parce que là c'est terrible. Antoine qui fait premier ici mesdames et messieurs. Incroyable. Tac je vais te mettre mon code ami. Le voilà. Si tu veux rejoindre n'hésite pas. Hop est-ce qu'on a. Antoine, ouais c'est bon, on a rien de spécial. Mais premier en fait. Ok. Hop. Mais mec, t'es trop chaud. C'était la première fois quasiment que je faisais cette map, j'avais jamais vu. Pas grand chose, l'écran est plus grand et OLED. Ok, mais en fait, j'avais une LED, du coup je voulais pouvoir jouer sur la télé avec les prochains jeux. Ah. Ouais, mais oui, mais si t'avais la LED, t'as bien fait. Parce que la Lite en soi, c'est on dirait une PSP en fait. Mais le port Ethernet, il va changer la donne. Hein. Parce que là, tu vois, moi, je suis pas en Ethernet, je suis en Wi-Fi quoi. Et en vrai, ça a pas l'air de se sentir sur le gameplay, mais c'est toujours mieux d'avoir un câble Ethernet en vrai. Et après, tu peux rajouter un câble Ethernet, mais il faut un adaptateur. Et du coup, tu perds ton port USB. Et du coup, c'est abusé. Du coup, c'est abusé, abusé. Hop, j'ai vu ta demande d'amis, je vais tout de suite, hop, ajouter, hop, Ips qui est ici bien sûr, et l'écran OLED, ouais l'écran OLED après, et est-ce qu'elle sera en 60 FPS, ou genre en 120 FPS, parce que là,
Les FPS, c'est pas trop ça. Hein. C'est toujours après ces problèmes de Switch. Hein. Eh bien, pour Ethernet, j'ai vérifié. Bah, en vrai, ça vaut le coup. Et du coup, dans la mise à jour du Switch, il y a le Bluetooth maintenant. En gros, il y a le Bluetooth, mais il y a des bails comme quoi tu peux pas le mettre quand t'es à plusieurs, c'est-à-dire quand tu joues en multijoueur local. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que tu veux faire une partie de Mario Kart avec ton frère ou ta soeur. Vous êtes tous les deux dans la même chambre. Tu peux pas mettre le Bluetooth. Tu peux mettre le Bluetooth, mais c'est limité à un appareil, donc par exemple un casque. Et du coup, enfin c'est un Bluetooth, mais c'est un Bluetooth merdique. C'est un Bluetooth de 2014. C'est l'enfer. Mais c'est Nintendo, hein. Nintendo toujours en avance sur son temps, bien sûr. Hein. Mais ouais, c'est. Après, ouais, quand tu passes d'une light à ça, tu verras, ça change. Puis par exemple, je sais pas, avoir le socle, c'est. En vrai, c'est un petit plus. Parce que tu vois, par exemple, tu peux pas stream sur les Switch Lite. Il faut obligatoirement que ce soit connecté au port. Port à ta box ou à ta plateforme pour poser ta Switch, quoi. Et ça, c'est terrible. Oh non, dommage. Nintendo, c'était bien un petit de fou, mais trop de retard technologique. Mais en soi, je comprends pas pourquoi. Tu vois, ils gardent leur principe de base d'être une console familiale. Voilà, t'as des jeux, j'irais moins lourds, c'est pas des triple A. Mais c'est quand même des jeux très très bien. Hein. Mario et tout, c'est des jeux incroyables. Même mieux que certains Call of et tout. Mais il faudrait qu'ils rajoutent, ouais, câble Ethernet. En plus, je sais pas débile, genre de rajouter un câble Ethernet. Et puis quand elle est sortie, il y en avait déjà sur la Xbox 360, enfin sur la Xbox One et la PS4. En soi, ça existait quoi, c'est pas sorti en cours de route. Pareil pour le Bluetooth, c'est-à-dire que là où Microsoft et Sony font des consoles avec du Bluetooth et câble Ethernet, Nintendo ils l'ont pas. Même si c'est plus accès familial et pas genre tryhard du jeu en ligne et tout. À partir du moment où ils ont mis le mode en ligne, ils auraient dû mettre un câble Ethernet et le Bluetooth. En vrai, ouais, c'est un peu tard. Un peu tard. En plus, le Bluetooth, c'est pas le Bluetooth comme on connaît sur Xbox, c'est un peu moins bon. Et ils ont prévenu que ça pouvait crash en plus dans le patch note. En gros, ils ont prévu que ça pouvait crash. Ça me fume. Il me termine. Tu rêves déjà plus. Salut Martin, merci d'être passé. Ça fait grand plaisir. Et grave plaisir. Oh non, je me suis pris ma propre truc. Oh, juste devant la ligne d'arrivée. Let's go! La quatrième position. Mais du coup, ouais, Nintendo, c'est terrible. C'est vrai que c'est fou quand même. Cette progression en dents de scie. C'est-à-dire que Antoine, il fait premier, 11e, 3e, 8e, 2e, 12e. Il ne comprend pas. Il faut être constant. Il faut être constant, Antoine. Est-ce que tu as pu nous rejoindre, du coup, Ips. Ouais, je sais pas quoi prendre. Vas-y, pleine de notes, pardon. De base, je devais prendre la PS5, mais finalement, je vais attendre quelques mois. Ouais, et puis. En vrai, PS5, ouais, c'est chiant. Du coup, les prix doivent être plus élevés. On peut pas rejoindre sur mon spectateur. Ah, il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui parte, du coup, ouais. Mais on va jouer encore. On joue encore une demi-heure, nous, ouais, et j'arrêterai le live après. Encore une petite demi-heure de jeu. Et du coup, c'est vrai. Après, moi, je pense que si je devais choisir entre PS5 et la nouvelle Switch, en vrai, je pense que je prendrais quand même la Switch. Parce qu'en soi, les jeux PS5 déjà sont très très chers. En plus de l'abonnement Ethernet qui, je crois, c'est 60 € l'année. Alors que sur Switch, t'es à 20 balles l'année, quoi. Même si c'est pas les mêmes jeux et t'as pas le même public. En vrai, je pense que je partirais sur une Switch, moi, personnellement. Parce que je pense que j'aurais plus de plaisir à faire des runs sur Mario Kart ou sur Mario Party avec des potes que à jouer à Call of en mode un peu tryhard ou des trucs comme ça. En vrai. Après, je prends Call of et Mario, mais il y a d'autres jeux, hein, bien sûr. Il n'y a pas que ça, il y a des jeux indés ou des jeux très bien sur PS5.
prendre de toute façon, je suis accro à FIFA. Ah ouais, moi aussi. Ouais, c'est vrai que toi, t'es un joueur FIFA. Après, il y a FIFA sur Switch. Mais les designs, frérot, c'est-à-dire que Mbappé, il ressemble vraiment à une noisette sur le jeu, sur Switch. C'est terrible. Puis, il y a aucun joueur. Tu peux pas faire du fut en ligne sur Switch aussi. Ce serait terrible. Du coup, ouais, en vrai, c'est mieux de prendre la PS5. Qui est FIFA, Call of, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas sur... Sur Switch, bien évidemment. Mais quand même, c'est fou que Nintendo, déjà, ils réussissent à marcher en ayant leur propre ligne de jeu. C'est-à-dire qu'ils ont pas, Call of et tout. Ils ont leur propre jeu indisponible sur d'autres consoles et tout. Du coup, en vrai, c'est grave bien. Hein. Oh, frère, ça fait deux fois que tu me grailles. Je vais peut-être pas jouer à Mario Kart. Je pense que je vais pas tarder à manger. Ah, ok. Bah oui, y a pas de soucis. T'inquiète, on pourra se faire des parties les semaines prochaines. De toute façon, y a la prog que je vais faire juste après en revenant du boulot tout à l'heure. Et je vous la mettrai sur Twitch bien évidemment et sur Instagram, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, hein, et sur Twitter aussi bien sûr. Je mettrai toutes les progs, du coup vous pouvez voir les jeux qu'on fera dans la semaine. Du coup déjà en sûr il y a lundi Pokémon et mardi Mario Odyssey le 100%. Et ensuite on verra ce qu'on fera, peut-être un peu de Rocket League mercredi. Mais en soi Pokémon, Mario, Zelda c'est trop fort comme licence en même temps. Ouais. Ces trois licences elles sont incroyables. Hein. Pokémon je pense c'est la licence... La licence de base qui est le plus vendue. Que ce soit avec le merch, les figurines, tout ce qu'il y a à côté, ça doit être incroyable. Ça doit être peut-être numéro 1 en vrai, je pense. Il y a moyen que ce soit numéro 1. Et Mario aussi, que ce soit Mario Jeux Olympiques qui est incroyable, Mario Party, Mario Kart, Mario Bros. Ça déchire. Franchement, ça déchire. Ouais, c'est la plus grosse licence mondiale. Ouais, je crois. Et il me semble qu'au Japon, c'est Hello Kitty en deuxième. Mais parce qu'il faut Nintendo, ces trois licences se vendent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une Nintendo conférence, il y a du monde et tout. Ça fait bouger. En vrai, c'est cool. Après, peut-être qu'on peut leur reprocher. C'est le temps de développement entre les jeux. En vrai. Yo Erwan, comment ça va? C'est le temps de développement entre les jeux. C'est-à-dire que Mario Kart, il n'y en a pas eu un depuis. Je sais pas combien de temps. On va regarder la date de sortie. Mario Kart 8. Le jeu est quand même sorti en 2014. Le jeu est sorti en 2014 et il y en a peu. C'est-à-dire que ça fait 7 ans qu'il n'y a pas de jeu. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau Mario Kart. Bah moi ça va tranquille. Ouais non, on fait des petites runs de Mario Kart. On va pas tarder à arrêter là. On va arrêter dans peut-être 20 minutes peut-être. Sortir le fantôme sur Switch. C'est vrai. C'est vrai que c'est une avancée considérable. Ça, Pokémon Épée Bouclée sont vraiment des jeux ratés. Pourtant, ils se sont vendus comme des petits pains. Ah ouais, tu trouves? J'ai jamais joué à Pokémon Épée Bouclée, je vais pas te mentir. Le dernier auquel j'ai joué, bah c'est Let's Go, Pikachu. Et je crois que c'est sur DS, hein, Épée Bouclier. J'ai joué à Ruby Omega, Saphir Alpha. J'avais Ruby Omega, et c'est un jeu que j'ai tryhard. Genre vraiment, il était incroyable. Le fait qu'il y ait les îles et tout, les îles mystères, plein de Pokémon légendaires, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Mais ouais, tu vois, quand ça fait 7 ans que le jeu est sorti... Que t'as eu 3-4 mises à jour en 7 ans, t'es là bon. En fait, c'est. Même si le jeu il marche toujours, hein, regardez, il y a vraiment du monde hein, qui joue à Mario Kart, la preuve. Les lobbies sont pleins, il y a des tournois les dimanches, il y a des World Cup. C'est un jeu qui tourne quoi, mais. Sans nouveauté, c'est quand même dingue, hein, c'est pour vous dire. Hein. Comparé à des jeux où, par exemple, Fortnite, t'as une mise à jour tous les 3 jours, t'es là bon. Après moi j'ai pas aimé pour de multiples raisons. Tu devrais essayer, je pense que ça pourrait te plaire. Ah ouais? Après j'ai vu il y a un délire de d'univers parallèle dans de. Enfin il y a des mecs qui viennent d'autres univers genre. Et ça c'est Pokémon quoi, c'est. C'est-à-dire que voilà quoi. Là-bas c'était Pikachu et Rukul qui se battaient dans une arène. Mais ouais. Merci du follow, So Elbo, merci du follow, comment ça va mec? Non, ça c'est Soleil et Lune. Ah, c'est Soleil et Lune. Mais épée bouclée, du coup, c'est quoi? C'est. Ah, mais c'est sur Switch, non? J'ai pas les refs. Oh, j'ai pas la ref de Soleil et de épée bouclée. Ah, mais si, épée bouclée, c'est. Ah, oui, si, c'est bon, je vois. C'est là où les. C'est genre, il y a la ville de Londres et tout. Il me semble que c'est ça, hein. Ouais, c'est Switch. Ok. C'est. Ça n'a rien à voir avec Alola, du coup je suis... Non, Alola, ouais, c'est Alola, c'est Soleil et Lune, c'est ça. J'étais là,
Je suis là, bon. Ouais, mais du coup, ouais, pourquoi pas? Peut-être test après. Après, là, en vrai, j'ai vraiment hâte de faire diamant. Après, je t'avoue que j'ai pas trop kiffé le fait que ce soit genre un peu en style. Comment ça s'appelle? Animal Crossing, tu vois, les personnages. On dirait un peu des mecs d'Animal Crossing. Et ça, c'est pas vraiment fou. Je vais pas te mentir. Mais après, c'est diamant et perle. Et diamant et perle, c'est. Waouh. Ouais, c'est en chibi, c'est ça. Ça a pas l'air fou, tu vois. J'aurais préféré. Limite, en vrai, Pokémon Let's Go, moi, c'est un jeu qui est incroyable. Franchement, je trouve. Il y en a beaucoup qui se plaignaient comme quoi. Ouais, tu fight plus les mecs et tout. Les Pokémon sauvages et tout. Tu es toujours en train de les capturer. Ça, moi, j'ai kiffé, en vrai. Le fait que les Pokémon aussi, dans les hautes herbes, ils apparaissent à l'extérieur, tu vois. Il faut faire, tu vois, le fait que les Pokémon ils apparaissent extérieurs, j'ai trouvé ça insane. Et par contre, bon, le jeu était d'une difficulté nulle. C'est-à-dire que les mecs, tu les bats avec un roucoule, quoi. Il faut prendre plus de raccourcis pour faire tes meilleures stats. Merci le petit Juju, c'est vrai. C'est vrai que tu as raison. Je ne prends pas les raccourcis. Je réussis surtout graphiquement, mais le système de capture des deux combats, c'est de la merde, on va pas se mentir. Bah, en vrai, moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que ça rappelait Pokémon Go et j'avais kiffé, du coup. En vrai, tu mets un diamant et perle avec exactement le même système que Pokémon Let's Go, avec forcément peut-être des petites nouveautés en mode, je sais pas moi, peut-être avoir peut-être être accessible d'aller dans tous les appartements, dans toutes les maisons, ça ce serait un truc de fou. Le fait de vraiment être roleplay, tu vois, c'est-à-dire que tu peux aller dans toutes les maisons et tout, mais qui rajoute de la difficulté. C'est vrai que Pokémon Let's Go, t'étais là, bon, pas ouf. Dans les remakes, le système de capture sera. Ouais, ce sera classique. C'est-à-dire que tu seras dans les hautes herbes, tu sauras pas quand est-ce que tu tombes sur un Pokémon. Ouais, ce sera classique. En vrai, ça va, moi ça me dérange pas trop. Mais je t'avoue que le Pokémon Let's Go, c'était un jeu. En vrai, c'est un jeu à part en soi. Hein. C'est quasiment le seul sur console qui soit comme ça. Et j'ai bien kiffé. En vrai, j'ai kiffé. C'était un bon moment. Là, en plus, on le refait en live. Du coup, c'est cool. Je sais pas. Moi, j'avais kiffé. J'ai vraiment passé du temps. Et le fait aussi que les shiny. Moi, ce qui m'avait fait kiffer, c'est la chasse aux shiny qui était très facile. La chasse aux shiny, c'était. C'est-à-dire que. T'avais le charme chroma là. En vrai, c'était facile. Tu restais 3-4 heures, t'avais un ou deux shiny. Le système de trouver les shiny qui était facile aussi. C'est-à-dire qu'il popait shiny. Ça, c'était juste insane. J'ai compris que vous parliez d'un nouveau Mario Kart. Alors, un nouveau Mario Kart, non. On parle des nouveaux Pokémon là ici. On essaie de voir un peu ce qu'ils pourraient faire, ce qui va se passer et tout. Et Mario Kart, ça fait quand même. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait, ouais, ça fait 7 ans que ça n'a pas été à nouveau. Du coup, bah nous on attend peut-être un nouveau Mario Kart. Après, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans Mario Kart? Peut-être faire des nouvelles maps, bien sûr, ça c'est normal. Des nouveaux persos et tout. Mais. Ça fait longtemps que le jeu est pas sorti et pourtant il y a du monde, c'est ça qu'on disait. C'est que ça fait quand même un bail que le jeu est sorti et il y a toujours autant de monde. Ouais, c'est juste ça, ouais. Sans avoir trop de mises à jour. Et c'est ce qui fait la force de Nintendo, hein. C'est ce qui est incroyable. Ça arrivera jamais, mais commercialiser un MK Wii serait incroyable. Oh, ah ouais, le Mario Kart sur Wii, oh il était insane. Il était insane. Non mais par exemple ils pourraient prendre des maps de la Wii. Ce serait cool. Moi, en vrai la map qui m'avait fait le. Je sais pas quelle était votre map préférée les gars. Mais moi ma map préférée. Je pense que c'était sur Nintendo DS. Alors je sais plus combien c'était. C'était Mario Kart à l'ancienne. C'était l'Alpe Donkey Kong. Mec, Alpe Donkey Kong, c'était le feu. Tu montais et tu redescendais. C'était incroyable. Je sais plus sur quel Mario Kart c'était, mais. J'avais kiffé en tout cas. J'avais kiffé. Pic Donkey Kong et Gros Arc-en-Ciel. Pic Donkey Kong, je me souviens plus ce que c'est. Ah si! Ah ouais, non, mais c'était incroyable. De toute façon, les maps dans les montagnes enneigées, là, comme Donkey Kong, c'est le feu, hein. Montagne Donkey Kong sur Wii, tu veux dire peut-être. Ou Alpes Donkey Kong, je sais plus. Je sais plus à quoi ça correspondait. Je sais plus du tout. Attends, je vais regarder Alpes Map. Alpes. Cas. Ça va vraiment vite. Je vais remettre Mario Kart. Ouais, c'est ça.
Map Alpes Donkey Kong Mario Kart. Alors je sais plus sur quoi c'est. Les Alpes Donkey Kong. Alpes Donkey Kong est le premier circuit de la Coupe d'étoiles de Mario Kart DS. C'est Mario Kart DS. Mec. Oh, ça date. Bon allez, je pense qu'on va s'en faire une dernière, les gars. Petite route du dragon, on n'a jamais fait. Petite route du dragon, au calme. On n'a jamais fait. Oh putain, mais cette course-là. Mais mec, moi je trouvais qu'elle était incroyable. Pourquoi pas Mario Kart Ultimate comme Smash, c'est-à-dire qu'avec tous les persos, circuits et objets de toute la licence des Mario Kart, j'ai ça en tête depuis un moment. Ah, genre vraiment mettre. Genre par exemple, tu peux utiliser Dracaufeu, tu peux utiliser tout ce que tu veux. En vrai, pourquoi pas? Après, j'ai peur qu'il y ait trop de choix de personnalité. Avec la boule de neige à la fin qui voulait être grind. Mais oui, mais c'est exactement ça, Aurélien. C'est exactement ça, mec. C'est insane. Mais en soi, en vrai, pourquoi pas? Hein, Mario Kart où, genre, ça regroupe vraiment toute la licence Nintendo. Ce serait stylé. Déjà, là, ils ont fait un effort sur celui-ci. Il y a Zelda et il y a les méchants de Mario Bros. Là, comme, je sais plus comment ils s'appellent. Il y a Roy et j'ai plus les noms des autres. Et mettre un mode jeu double dash. Ouais, pourquoi pas. En vrai, c'est à voir, hein. Après, il faut voir si c'est réalisable, si est-ce que ce serait pas un trop gros jeu. C'est-à-dire que est-ce que forcément le prix va être un petit peu plus cher, peut-être si tu mets vraiment tout. Et il faut quand même qu'il y ait l'esprit Mario Kart et que ça reste un Mario Kart, quoi. Faudrait pas qu'ils partent dans des trucs bizarres. En soi, pourquoi pas. C'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, sur DS, il me semble que t'avais quoi? T'avais 16 persos, je crois. Tu partais avec 8 persos et tu découvrais des personnages. C'est vrai que c'était. Moi, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, tu vois. J'aurais kiffé avoir plein, plein, plein de persos. Plein de combinaisons et tout. C'est trop le feu, je trouve. Un peu grid. Okay. C'est quoi ça? Pourquoi il y avait un coup de jus? Il y en a qui s'est pris un coup de jus là dans le jeu, ça va aller? Ok. Pas mal de pièces ici. Hop, son nom, un truc du genre, ouais, je crois, c'est un truc comme ça. Mais le robot il me fumait. Ah oui! Mais lui tu l'avais vers la fin je crois. Rob. Ouais c'est Rob en plus c'est ça. R.O.B je crois. Ah ouais mais lui il était incroyable. Attends mais là c'est des... Tard les souvenirs, tard l'époque hein. Ah ouais Rob. Quel bail. Il me fumait lui. Ok ça va, on s'est pas pris la bombe. On est tranquille. Pour la première place hein, ici bien sûr. Oh non c'est terrible. On a eu un Mario Kart Attends. Tac, on a eu un Mario Kart Tour, du coup ça avait pas 7 ans. Ouais c'est vrai. C'est vrai Mario Kart Tour C'est quoi, c'est le jeu mobile hein, Mario Kart Tour, c'est bien ça. Hop, on garantit la 6ème place. Ok. C'est le jeu mobile hein, je crois. On avait joué quelques temps Aurel, tu te souviens. T'étais en cours, on faisait des. On faisait des petites runs en plein cours en fait tout simplement. Voilà quoi. Bon, et eh ben écoutez mesdames et messieurs, c'était cool ce jeu de la honte. Mais non, c'était bien cool mesdames et messieurs, j'ai kiffé. Tac, tac. Ici. Et eh ben on va se quitter là-dessus. T'avais Pauline sur Mario Kart Tour. Ouais, j'ai pas trop joué moi Mario Kart Tour, je vais pas vous mentir, j'ai joué vraiment à l'époque. Tac. Tac, tac, tac. On va se quitter sur ça, mesdames et messieurs. C'était une session plutôt cool. Plutôt cool, voilà. On a fait un petit 2h30 de live, tranquillement. On va encore dire merci à Antoine, merci à Le Coff Show, merci à Guigui, merci à Ips et merci à Elbo pour les follow. Bon après, mais bon courage pour le taf. Et ben merci beaucoup, merci à tous. Bon dimanche après-midi. On se retrouve du coup la semaine prochaine, donc demain en fait, littéralement, pour du Pokémon Let's Go. Donc voilà. Bisous à tous. Malgré le karma. Bon après-midi. Et à bientôt, j'ai envie de vous dire. À plus. Ciao.